Mon intention dans ce document est donc de vous apporter des renseignements liés à mes 60 ans de photographe amateur en général et de diaporamiste en particulier, à partir d'événements qui ont sans doute nourri le diaporama sur les châtiments auxquels ce document devait servir d'annexe. À l'heure du numérique, certains documents risquent de vous paraître désuets, mais c'était ici pour moi l'occasion de rassembler une dernière fois certaines de mes archives et de numériser quelques 700 visuels personnels, et pour vous, l'occasion de les reproduire éventuellement en toute liberté. Ces archives et ces visuels concernent la création, le développement et la diffusion d'une trentaine de diaporamas auxquels j'ai participé, dont douze sont gravés sur DVD. Ces diaporamas sont dits géants, selon l'expression que j'avais inventée, car il dure près d'une heure et parfois plus, alors qu'un diaporama ordinaire dépasse rarement 10 minutes. Vous vous laisser précisément le temps de saisir tel ou tel document qui vous intéresse. J'ai laissé chaque visuel au moins 5 secondes pour vous permettre de faire une éventuelle capture d'écran ou carrément un arrêt pour une lecture plus approfondie du document. De ce fait, même si un diaporama en général conjugue trois langages, le verbal, le visuel et le musical, le présent diaporama étant d'abord documentaire, rajouter des morceaux de musique une fois terminée cette introduction, c'était les envoyer au massacre, même sans tronçonneur. L'ordre que je suivrai sera globalement chronologique, avec toutefois des regroupements pour éviter le plus possible des redites. Et, le diaporama sur Brel étant fondamental, j'ai réparti le présent diaporama en trois ensembles. Premièrement, avant ce diaporama sur Brel, deuxièmement, le diaporama sur Brel, troisièmement, après le diaporama sur Brel. Répartis ainsi dans le temps, les différents diaporamas que je vais vous présenter sont ainsi répartis dans l'espace, avec forcément quelques allers-retours, en fonction de mes quatre principaux lieux d'habitation. Premièrement, à Rodessin, mon village natal entre Nîmes et Beaucaire deuxièmement à casablanca au maroc pendant trois ans troisièmement à gap dans les hautes alpes pendant onze ans quatrièmement à nevers et environ au centre de la france pendant vingt ans. au fil des images qui vont défiler sur votre écran pendant trois heures dans le labyrinthe que je vous entraîne vous saurez je l'espère me pardonner ma lourdeur didactique. dans mon retour sur mon passé de photographe diaporamiste, Venise et l'alpha et l'oméga. C'est à Venise, en effet, que j'ai pris ce cliché et ce qui précède, extrait de ma dernière exposition en 2004. À partir des 180 clichés du carnaval de 2003, pris en 36 heures, d'où le titre L'impromptu de Venise. Et c'est à Venise que j'ai acheté mon premier appareil, semblable à celui de l'écran, avec le maigre pécule que parents et amis m'avaient donné pour mon premier voyage à l'étranger. Pour évoquer ce premier voyage, il me faut revenir en arrière et vous présenter une personne à qui je dois beaucoup. Ma mère, voulant à travers moi, satisfaire à la vocation religieuse qu'elle n'avait pu réaliser pour elle, me met en pension en octobre 1951 à l'Institut Saint-Félix, un an après cette photo reprise sur la toile. J'avais 8 ans. Cet Institut Saint-Félix, ainsi baptisé depuis le début du siècle dernier, aujourd'hui hélas débaptisé, abritait le petit séminaire de la 5e à la 1 dirigé par l'abbé Daudet, repéré en rouge sur cette photo, comme tant d'autres empruntés à la toile, et prise l'année avant mon arrivée. En plus du petit séminaire, cet étude saint comprenait le collège, de la 11e, donc le cours préparatoire, à la sixième, dirigée par l'abbé Saleri. C'est en 3e que j'ai comme prof principal, français, latin, grec, histoire et géo, l'abbé Molière, la première personne marquante dans mon parcours. Un ami de cette époque me permet de vous le montrer au milieu de la classe de 3 qui m'a succédé au petit séminaire. Durant mon temps libre, récréation et jeudi après-midi, ce prêtre nous fit découvrir la musique classique, la fabrication de marionnettes avec de la colle à papier et de vieux journaux, et surtout la pratique théâtrale. Ainsi, il fut le premier à commencer la restauration de cette immense salle pour nous faire répéter sur scène un spectacle. Et cette salle? à la toiture désormais refaite, n'a cessé depuis d'être utilisée. Une fois le spectacle au point, nous sommes allés le jouer dans quelques villages environnants, et la recette a permis de payer intégralement le voyage en Italie organisé par cet abbé Molière. C'est dans ces conditions que je suis parti à Venise durant l'été 57 avec une trentaine d'autres séminaristes venus de Beaucaire et de Gap. Je n'ai pas retrouvé le cahier où j'avais collé les photos prises durant ce voyage. Mais j'ai retrouvé celle-là alors que nous étions sur la route entre Naples et Pompéi. Il me faudra attendre près de quinze ans pour photographier moi-même à Volubilis au Maroc un de ces trésors de l'Antiquité. Et tout au long de ce voyage en Italie et de tant d'autres qui allaient suivre, comme en témoigne cet extrait de mon CV, lorsque j'ai voulu intégrer l'équipe du guide du Routard, j'ai éprouvé l'envie de faire partager à d'autres les merveilles que je découvrais par des photos souvenirs, comme tout le monde, mais très rapidement aussi par des expositions et ou des diaporamas. Suite à ma réussite au BEPC, qui clôturait alors de façon sérieuse la fin du premier cycle d'études secondaires, mes parents m'offrent un appareil photo plus performant, un Instamatic 104. Comme vous allez voir tout de suite, le résultat numérisé de diapos réalisé avec cet Instamatic Permettez-moi d'attirer votre attention sur un appareil de numérisation que m'a offert mon gendre, Xavier Mété, responsable d'un magasin qui en avait reçu un lot. Cet appareil m'a permis de scanner des centaines de vieilles diapos, dont celle utilisée pour ce diaporama. En voici le mode opératoire, car vous avez peut-être vous aussi un lot de diapos que vous voudriez revoir, mais écran et projecteur ont disparu plus longtemps, ou bien sont trop encombrants. Vous placez de une à trois diapos dans le chargeur que vous allez ensuite introduire dans le boîtier qu'on vient de voir. Après avoir installé le logiciel sur votre ordi, vous branchez votre boîtier sur une entrée USB de cet ordi. En cliquant sur ce logiciel, voici ce qui apparaît sur votre écran. Après avoir introduit le chargeur dans le boîtier, vous capturez vos diapos et vous pouvez les retoucher à votre guise avant de les enregistrer. Afin que vous vous retrouviez dans tous ces diaporamas, j'ai défragmenté la liste pour vous donner des repères au fur et à mesure. Les principaux diaporamas, en caractère gras, ont été présentés au moins une fois au grand public. Depuis ma communion solennelle à Saint-Félix, non seulement j'avais grandi, mais j'étais devenu aide-moniteur, puis moniteur, à la colonie de Pradals. Au-dessus du Vigan dans le Gard, colonie dirigée par l'abbé Saléry. C'est grâce à lui que j'allais à nouveau à deux reprises partir à l'étranger. La première fois, durant les vacances de Pâques 1959, avec deux autres jeunes, je l'accompagne à Séville au moment de la Semaine Sainte. C'est de cette époque que date vraiment mon premier diaporama. À côté de quelques inévitables photos souvenirs, j'avais réparti en trois ensembles les 150 diapos sélectionnés. Utilisant des diapos gâchés, faute de flash assez puissant, je grave des titres et, semaine sainte oblige, un premier lot de diapos montrés ou bien les fameux Nazareno qui sillonnent la ville à cette époque, semblables aux membres du Ku Klux Klan américain, ou bien les Pasos, groupes sculptés, magnifiquement décorés, représentant des scènes de la vie du Christ ou de sa mère est posé sur des plateaux d'exposition portés à dos plateaux tous aussi somptueux les uns que les autres. Le plus réputé est le passe de la Macarena, en provenance du quartier sévillan du même nom. Le manteau de la Vierge, tout brodé de fil d'or, souleva moins mon enthousiasme trente ans plus tard, lorsque j'eus appris comment les Espagnols avaient volé leur richesse aux Amérindiens. Durant cette semaine sainte, je découvre également au moins deux entreprises à proximité de Séville, le Torbiscal, avec son élevage avicole largement industrialisé, et Itassa, un complexe industriel de filatures et de tissus qui comptait près de 3000 ouvriers et ouvrières. Et, comme nous étions à Séville, le dimanche de Pâques, on m'offrit une place pour assister à l'ouverture de la saison tauromachique. J'ai présenté ce premier diaporama cinq ou six fois, notamment à La Colo où j'étais moniteur, à Saint-Félix où je fis également mes débuts de prof et de surveillant, dans mon village natal, et enfin à Montpellier, dans le collège où pendant quatre ans, je fus prof et surveillant pour payer mes études universitaires. Étant donné mes activités de moniteur dans cette colonie, L'année de mes 20 ans, j'obtiens du secrétariat à la jeunesse au sport, grâce à la baie une bourse de voyage pour 20 jours aux États-Unis. En contrepartie, je m'engageais à faire partager mon voyage à mon retour. Je m'étais fait prêter pour cela un appareil photo plus performant comme Stamatic 104. Mais je n'ai pu retrouver les 72 diapos que j'avais ramenés. Par contre, j'ai conservé, et il a souvent circulé, le rapport manuscrit de 130 pages abondamment illustré que j'ai composé à mon retour. Parmi d'autres illustrations de ce rapport, deux reproductions de diapos. Sur l'une, dont je regrette l'original en couleur, je pose volontiers avec un superbe indien cherokee d'Okonalufti, village du Tennessee reconstituant la vie passée et actuelle des Amérindiens. Sur la même page de ce rapport, vous me voyez dans la chambre d'hôtel que j'ai partagé avec le jeune qui m'a envoyé la photo. Chambre équipée d'une télévision, alors que celle-ci n'était même pas arrivée dans mon petit village gardois. Deux mondes et deux époques réunies dans la même page. Venant de Chicago, avant d'arriver dans le Tennessee, nous avons traversé le Kentucky. Après avoir visité une ferme modèle pour l'élevage des chevaux pur sang, nous étions arrivés dans une autre ferme modèle spécialisée dans les bovins. Le rapport écrit, et parfois corrigé, indique bien la présence d'un taureau exceptionnel dans cette deuxième ferme, et je viens de mettre en évidence le mot taureau. Mais, lors de la première représentation publique de mon diaporama, au café de mon oncle au village, je commets une erreur monumentale. Montrant sur l'écran de fortune un beau vidé identique à celui que je trouvais sur la toile, j'invite le public. Admirez cette vache! Mon père était dans le public. Son fils, pourtant, en quatrième année d'études supérieures, venait de lui faire la honte de sa vie. Arrivé à la maison, il me dit en occitan De quoi Tu ne sais pas reconnaître une vache d'un taureau Conseil d'un diaporamiste Testez votre commentaire avant de le rendre public. Les trois années d'octobre 68 à juillet 71 ont été pour moi fondamentales, notamment. Dans mon parcours de diaporamiste, j'allais en effet successivement diriger trois réalisations la première sur le thème maître-serviteur, la seconde sur Jean Giono, la troisième en multivision sur le Maroc. Parti enseigner au Maroc dans le cadre de la coopération, j'atterris à Casablanca, capitale économique au cœur du royaume chérifien, et pendant trois ans, j'allais enseigner le français aux élèves marocains. Du lycée mixte Moulay Abdallah. La première année surtout, mes cours au lycée me laissaient beaucoup de temps libre. De ce fait, j'entre en contact avec le centre culturel français. Ce centre a désormais changé d'appellation, mais je garderai son appellation de l'époque, étant donné tout ce que je lui dois. C'est donc dans le cadre de ce centre culturel que j'ai réalisé un premier montage audiovisuel, utilisant le diaporama pour introduire les jeux des acteurs. Les principaux acteurs comptaient parmi mes élèves marocains d'une classe bilingue juste avant leur terminale. À ces acteurs s'ajoutaient des amis français de mon immeuble, dont certains participèrent également à la réalisation des différents cartons projetés pour présenter en diaporama les différents extraits des pièces choisies avant qu'ils ne soient joués sur scène et pour présenter les différents personnages. Sur cette photo, où deux images se superposent involontairement, vous devinez le devant du castellet que j'avais fait construire pour faire jouer en marionnette les deux scènes phares que j'avais choisies dans les fourberies de scapin. Pour que le projectionniste se retrouve, dans le défilement voulu des diapos, une régie servait de repère. Et celle de Riblas, que vous voyez, témoigne des mises au point successives au fil des répétitions. Dans la partie projection, D'autres cartons encore, en plus de présenter les principaux personnages, ou bien resituer la pièce dans un ensemble plus vaste, ou bien la resituer dans la vie de l'auteur, ou bien la présenter schématiquement. J'avais voulu également que soient projetées quelques phrases cultes condensées du thème de ce spectacle, Maître et serviteur. Grâce à cette présentation audiovisuelle, les scènes jouées étaient plus facilement perçues par les spectateurs, comme en témoigne ce deuxième extrait de presse. Et j'ai tout de suite gardé ces articles de presse qui sont comme les arches d'un pont entre le créateur et le public. Mais ce type de réalisation exigeait beaucoup de temps et les vestiges sont peu parlants pour vous, qu'il s'agisse des régies utilisées par les différents participants au spectacle, ou qu'il s'agisse des montants du castellet de marionnettes rangés dans un coin de ma remise. Et comme en plus, je n'avais aucune compétence pour la mise en scène, j'ai abandonné le spectacle vivant pour me consacrer entièrement au diaporama. Toutefois, tout n'était pas perdu, car, dans le cadre de mes lectures du lundi, commencées en janvier 2011, j'ai repris les textes choisis pour ce montage, je les ai enregistrés. Et les ai envoyés à audiosite.net qui accueille mes enregistrements de textes libres de droits d'auteur. Au 10 mai 2020, plus de 1000 internautes avaient téléchargé mes fichiers sur ce thème. Et deux mois plus tard, ils étaient 1300. Cette première réalisation, avec l'aide du Centre culturel français de CASA, me fit prendre conscience également de la nécessité de m'équiper un peu si je voulais poursuivre dans la voie du diaporama. À commencer par l'image. Pour la prise de vue, j'ai équipé notre foyer d'un boîtier Canon FTQL comme sur l'écran, bientôt suivi d'une housse de protection et d'un téléobjectif avec housse également. Tout ce matériel est en effet fragile et il a grand besoin d'être protégé, surtout quand on bourlingue. Indispensable aussi pour la prise de vue, un trépied. Pour reproduire des documents de petite taille, et je l'ai fait des milliers de fois, on parle alors de macrophotographie. Je me suis équipé de deux bonnettes ou lentilles additionnelles à visser devant l'objectif. Le complément indispensable, alors, pour éviter les flous involontaires, c'est le déclencheur souple qui se visse sur le boîtier. Dernier outil, souvent très utile pour la prise de vue le flash. Pour la projection, j'avais bien vu que le centre culturel était équipé de carrousel Kodak. Mais, sachant que pour un autre projet, j'aurais besoin de trois projecteurs, pour ne pas grever le budget familial, je me contentais pour l'instant d'un projecteur SFOM comme ceux qui équipaient toutes les écoles de France et de Navarre. Ces SFOM avaient un passe-vue pour les diapos 24-36 ou les 30 sur 30 faites avec l'instamatique. Ce passe-vue remplaçait les passe films. Utilisés sur le même projecteur, et les plus anciens d'entre nous se souviennent des films fixes en noir et blanc projetés avec ce type d'appareil. Pour les mêmes raisons budgétaires, je me suis contenté pour ce projecteur de l'objectif ordinaire, un 90 mm. J'avais ainsi désormais le minimum nécessaire pour préparer de façon indépendante la deuxième réalisation que j'ai dirigée à Casablanca, Giono n'est pas mort. Et deux des élèves, Acteur dans la précédente réalisation, allait faire partie de la nouvelle équipe réalisatrice. Le choix du sujet s'était imposé au club de lecture que j'allais animer, du fait que le centre, à cette époque, au début de l'année 1971, présentait une très intéressante expo sur Jean Giono. C'est dans cette expo que j'ai puisé une bonne partie des 110 visuels qui allaient me servir pour présenter d'abord l'homme et l'œuvre. Le texte que j'avais enregistré au préalable était plus long que ne le montre ma régie manuscrite ponctuée de nombreuses coupures. Après cette présentation de l'homme Giono et de son œuvre, comme vous pouvez le lire sur la régie dactylographiée par une secrétaire du centre pour toute l'équipe, deux autres réalisations audiovisuelles étroitement liées à Giono. D'abord, « Le foulard de Smyrne », court-métrage de 15 minutes réalisé en 1938 par François Villiers, sur un scénario de Genot, adaptation de son roman Le hussard sur le toit, publié en 1951. Ensuite, un extrait de La femme du boulanger, réalisé par Marcel Pagnol en 1938, adaptation de Jean Le Bleu, publié par Genot en 1932. Une quinzaine de diapos allaient encore être projetés pour présenter les lectures sur les différents thèmes répartis entre les dix participants à ce club de lecture. Je m'arrête un instant sur le quatrième des sept thèmes abordés, l'horreur de la guerre. Si beaucoup d'entre vous connaissez la filiation évidente entre Le Déserteur de Renaud et celui de Vian, écrit en pleine guerre d'Indochine, et sa chanson fut interdite d'antenne en 1954, rares sont ceux qui savent, et moi-même je l'ai découvert à cette occasion, que le point de départ de la chanson de Vian vient tout droit d'une série de textes de Jean Giono, rassemblés sous le titre Refus d'obéissance. Giono y dénonce les horreurs de la guerre. Il a fait la première guerre mondiale et il refusait d'être enrôlé pour la seconde. Pour terminer sur une note réconfortante, et sans nous soucier de l'ordre chronologique de parution de l'œuvre, nous avions pu réunir un extrait de Regains » publié par Giono en 1930, à l'âge de 35 ans. Ce travail d'équipe fut encore une fois bien accueilli par le public et la presse locale. Et cette deuxième expérience avec le centre culturel français de Casa m'avait tellement marqué que 30 ans plus tard, mettant en chantier le diaporama sur Brel, j'avais transposé le titre. Avant de vous présenter ma troisième et dernière réalisation Casablancaise, un petit tour encore du côté du matériel du diaporamiste. Pour l'image, je m'étais équipé d'un doubleur de focale à fixer entre le boîtier et l'objectif voulu. Mais aussi et surtout un deuxième boîtier. D'une part, pour permettre éventuellement un autre type de film, noir et blanc par exemple. D'autre part, afin d'éviter trop souvent d'enlever l'objectif 50 mm pour mettre le téléobjectif 200 mm. Et bien sûr, je lui ai préparé un petit nid douillet. L'équipement le plus important était en liaison avec la bande de son, car, on ne le dira jamais assez, la bande de son est primordiale dans un diaporama. Nous devions disposer à cette époque d'un tourne-disque de ce type-là, mais n'allions pas tarder à nous équiper d'une vraie platine iFi, car YouTube n'existait pas encore. Aussi indispensable, notamment pour les prix de son en extérieur, j'achetais un nuage au port d'occasion, avec son micro. J'ai vite rajouté un morceau de mousse, à fixer sur le micro pour éviter les pètes parasites. Et CAST et UR allaient mettre d'une grande utilité pendant 30 ans. Dans la liste, réalisée 15 ans plus tard, des différents diaporamas auxquels j'avais participé, vous voyez que le Maroc était, comme je vous l'ai annoncé, le sujet de ma troisième réalisation Casablancaise. Et elle a connu trois versions différentes. La troisième reposant sur 600 diapos, chiffres oubliés sur ma liste. Comment en suis-je venu là Immédiatement fasciné par le Maroc, et notamment son charme exotique, avec mon épouse et parfois notre fils Florian, tout juste deux ans, nous profitions des moindres congés pour pousser toujours plus loin notre connaissance du pays et de ses richesses. Mais un spectacle va m'amener à voir grand. Le spectacle en multivision de Gérard Civet, intitulé Fantastique Brésil, où il avait été coopérant comme je l'étais au Maroc. Mais lui, allait continuer dans la production professionnelle de diaporamas et pouvait donc aligner six projecteurs carrousel pilotés automatiquement par système Simda. Pour ma part, je me contentais donc de trois formes avec passe-vue ordinaire. Grâce à notre modeste dauphine, nous avions déjà parcouru des centaines de kilomètres et engrangé des diapos intéressantes. Dans les trésors engrangés depuis nos débuts au Maroc, cet immense gâteau d'anniversaire, tout en fruits naturels, rencontré par hasard à l'extrémité du boulevard Mohamed V, à Rabat. Une affiche nous en apprend davantage et, comme nous n'avions encore jamais vu de Fantasia, l'occasion était rêvée. Les cavaliers, déferlés par vagues de sang, et même si, au lieu de notre estamatique, nous avions eu le boîtier canon, je ne sais pas si le résultat aurait été meilleur. Si imparfaites soient ces diapos, elles n'en restent pas moins un témoignage précieux de cet événement de 1969. Si, en effet, vous cherchez sur la toile, Rabat, Fantasia du siècle, vous n'aurez que des peintures ou des images de Fantasia prises dans différentes autres occasions. Nous avions également ramené du Grand Sud, ici, le col du Teasing Quantité de diapos intéressantes. De même, lorsqu'à plusieurs reprises, nous étions allés sur le site archéologique de Volubilis, non loin de Magnes. Nous avions donc déjà une abondante matière pour un diaporama à multivision, justifiant ainsi le premier sous-titre Le Maroc, hier et aujourd'hui. Parmi les trésors accumulés, il me faut encore citer des cartes postales de la fin du 19e et du début du 20e sur Casa, Rabat, Marrakech, Mégnes et Fez. Diapos qui sont encore d'un réel intérêt. Plus d'un siècle plus tard. En outre, elle est cadrée parfaitement avec le procédé de la multivision, car le projecteur de gauche montrait Casa en 1889, celui du milieu la montrait en 1929, et apparaissait enfin à droite Casa en 1971. Mais, pour pousser plus avant ce projet de multivision, j'ai multiplié les voyages, Casa vous l'avez vu, étant en position relativement centrale pour ajouter à notre collection de diapos, faites avec l'estamatique, des diapos en 2436, faites avec le canon, notamment des photos de nuit. L'idéal, pour avoir ces traînées lumineuses des voitures sur la chaussée, c'est de les faire quand il pleut, la chaussée faisant miroir. C'est pour cela que je suis retourné exprès à Marrakech, où il ne pleut pas tous les jours. Je n'avais pas en effet tous les jours à ma disposition, à Casablanca, les photos voulues, comme cette vitrine. Mais... Je tenais à justifier le deuxième sous-titre du spectacle, De jour comme de nuit. Par ailleurs, une UR16 neuve pour faire dans la soirée les 500 km kaza Marrakech était plus confortable que notre vieille dauphine. En outre, deux événements majeurs allaient venir grossir notre trésor. Le premier fut notre participation au mariage de la sœur d'une de mes élèves, Zineb Jabouri. Compte tenu de notre projet de spectacle, je fus le seul homme, avec notre fils Florian, à pouvoir assister aux festivités du côté des femmes, car, dans un mariage berbère traditionnel, les hommes n'y sont pas admis. Il était convenu, avec la famille Jabori, qu'en échange de cette faveur, nous offririons un album de photos noir et blanc réalisé par mon épouse, avec le deuxième boîtier. Et certains de ces clichés ont été utilisés ensuite pour la publicité de notre diaporama. Le deuxième événement majeur fut, encore une exception et pour les mêmes raisons, ma participation à la représentation de jour réservée aux journalistes du Festival folklorique de Marrakech créé depuis dix ans pour des représentations de nuit. Entre deux spectacles sur scène, j'avais tout loisir de prendre de près des images inoubliables. Et comme j'avais mon autre boîtier avec du noir et blanc, je ramenais de ce spectacle de jour d'autres beaux portraits dont j'assurais moi-même le développement et le tirage sur papier. Pour choisir entre les 3000 diapos ainsi rassemblés, les deux élèves marocains qui avaient participé au montage sur Jono virent m'aider pour n'en garder que la moitié. Après quoi, je les exerçais pour être les deux autres projectionnistes. Mais en prime, ils m'aidèrent à choisir des musiques, entre autres la fameuse musique dite Andalouse, que je repiquais sur Radio Rabat. La bande son était en effet plus que jamais fondamentale, puisque. Lors de la séance publique au centre culturel, je m'étais refusé à ajouter le moins de commentaires. Et je m'étais efforcé de faire entendre les musiques que les Marocains écoutaient et celles qu'ils créaient. Faute de Youtube, c'est à partir des disques achetés que j'ai réalisé cette bande de son, le reste venant de mes propres enregistrements avec l'aéroport. Le public et la presse locale apprécièrent cette troisième et dernière réalisation casablancaise. Alors que Florian et Isabelle, sa petite sœur, née quinze jours avant, étaient partis en avion avec leur maman, j'étais resté sur place pour compléter notre collection dans le nord où nous n'étions pas encore retournés. Mais une épidémie de choléra précipita mon départ et je me vois dans le port de Tanger, comme à Oran, le journaliste Rambert dans la peste de Camus, essayer de me tirer au mieux de la situation. Aussitôt arrivé en France, je rajoute à la bande de son un commentaire, très touristique. Et comme je ramenais avec la R16, un ampli et des enceintes pionnières, deux fois 40 watts, les prix au Maroc étaient très intéressants. Je forme deux nouveaux projectionnistes pour une séance familiale chez mes beaux-parents près de Béziers et une autre tout public à redescendre. Et c'est cette version, en multivision, que j'ai projetée dans un cinéma de Gap, préfecture des Hautes-Alpes, où nous étions installés depuis notre retour du Maroc. En 1971. Le lendemain de cette projection en multivision, Pierre-André Rullier, journaliste au Dauphiné Libéré, venu m'interviewer chez moi, rédigea un article substantiel et j'ai tenu à mettre en évidence au bas de son article le nom complet de ce journaliste qui allait être un formidable soutien au cours de la décennie à venir. Et comme il m'avait demandé un visuel, je lui donnai un exemplaire d'une de mes photos noir et blanc, une des portes d'entrée de la célèbre mosquée université Karawin à Fès, équivalent musulman de ce que fut notre Sorbonne à Paris. Et c'est cette photo noire et blanc, absente du diaporama, qui allait paradoxalement servir d'abord pour les affichettes publicitaires annonçant mon diaporama dans sa troisième version, et bien plus tard pour annoncer une de mes expos, car, je vous le disais au début, diaporama et expo ont toujours été pour moi très liés. Il y eut donc une troisième version que j'allais diffuser dans les MJC des Hautes-Alpes et autres centres de vacances, et dans ce but, j'avais réalisé un nouveau programme à offrir à chaque spectateur, spectatrice à venir. Mais vous devez vous demander pourquoi une troisième version Au lendemain de la projection publique en multivision, dont vous voyez sur écran, des trois vestiges qui formaient le mot fin, un ami et collègue, prof de philo, qui arrivait de faire la coopération au Mexique, me dit, tu as des photos qui méritent mieux que ce que tu en as fait. Avant de prêter à ce collègue mes compétences et mon matériel de diaporamiste pour la réalisation, puis la projection de son diaporama Mexique-Guatemala, ce qui me donnera envie d'y aller 30 ans plus tard, je refonds complètement mon propre diaporama. Comme le mentionne la page 2 du nouveau programme, avec Claude Montrire, je ramène à 600 le nombre de diapos. J'écris un nouveau commentaire contrôlé notamment par Mohamed Chaibi, un ami marocain. Et j'intègre à ce commentaire des extraits de poèmes récités par Michel Julien, la maman de mes deux enfants, et par Dominique Nurisseau et Patricia Lama, deux élèves dont je vous reparlerai. Un collègue et ami, René Meffredi, me prête également sa voix. Et comme il était électronicien et spécialiste des bandes de son, il devient immédiatement mon alter ego diaporamiste. Sur son conseil, je m'équipe d'un nouveau magnétophone. Ce téléphone me permettait d'une part d'utiliser des bobines plus grandes que celles de l'aéroport, d'autre part, avec ses deux pistes, une pour les textes, l'autre pour la musique de faire, avec l'aide de René, des montages sur la bande son. Dernière nouveauté, et non des moindres, de cette nouvelle version, c'est que j'intégrais. Un système de fondu enchaîné que j'utilise ici depuis le début du diaporama. Ainsi, cette fontaine Casablancaise que j'avais photographiée deux jours du haut d'un immeuble voisin à environ 200 mètres, je pouvais la fondre avec le même cadrage de nuit. Et cette nouvelle version, dès sa présentation à l'intérieur du lycée, eut encore les faveurs du public lycéen et de Pierre-André Rullier. En isolant une partie de la photo de ce journaliste, vous pouvez entrevoir ce qui était le premier fondu enchaîné de mon invention. Et vous aurez d'autres occasions de m'apercevoir devant ce système artisanal de fondu enchaîné. Mais pour un autre historique, j'ai réalisé exprès une photo plus parlante. J'avais assisté à Gap à la projection d'une réalisation sur l'Andalousie qui mêlait film et diapo sur verre de 12 cm par 4, ce qui était énorme pour une diapo. Pour passer du film au diapo et réciproquement, le réalisateur faisait basculer un carton qui occultait tantôt son passe-vue artisanal, tantôt l'objectif de son projecteur de film. A partir de là, inventé un système identique qui me permettait, quand je le voulais, de faire un fondu, donc une superposition, entre deux diapos consécutives. Et c'est ce système que j'allais utiliser pendant 40 ans, jusqu'à y compris au Festival de diaporama géant en mars 2006, où je projetais évidemment le diaporama sur le Maroc. René, très malade, en 2006, avait numérisé toutes les bandes de son dont j'allais me servir pour ce festival, mais d'abord pour ma répétition générale devant mon public au J'ai retrouvé la boîte par laquelle il m'envoyait les deux CD. Non seulement il avait numérisé la bande de son originale de cette troisième version, mais en plus il avait apporté toute correction nécessaire pour une qualité optimale de cette bande de son. Et lors de ce festival de 2006, le public nombreux fut passionné par ce diaporama sur le Maroc, le seul qui ait reçu un écho médiatique. Mais je n'avais plus 20 ans. Regardez par terre le sac qui contenait, outre les anciennes bandes magnétiques, les 600 diapos rangés dans des boîtes plastiques. Désormais, ces boîtes pesaient lourd, car toutes les diapos étaient montées sous verre, avec des caches GP, comme les trois que je vous ai montrées tout à l'heure pour le mot fin de la multivision. Ces caches GP remplaçaient les montures carton ou plastique des diapos tels que nous les renvoyaient les laboratoires de développement. Vous en avez six exemples, écartés finalement de la multivision et qui portent encore les repères gauche, milieu et droit selon la partie de l'écran où elles étaient projetées. Ces caches GP assuraient la rigidité et la propreté des diapos car mon système de fondu enchaîné ne les ménageait pas. Je les manipulais au moins trois fois. Une pour les sortir du boîtier et les installer dans le passe-vue. Une pour les sortir du passe vue après projection et les ranger dans les longues boîtes en bois que j'avais fabriquées. Une dernière pour les remettre dans le boîtier du départ. Pour un contrôle rapide des diapos, ainsi mises sous verre, avec un marqueur, je faisais des repères pour voir rapidement s'il manquait une diapo dans le lot. En outre, même si ces caches étaient étanches, j'ajoutais dans les boîtes de rangement des dessiccatifs. Vous en avez trois sur la photo. Toutes ces manipulations, 1800 pour les diapos, 1200 pour les fondus enchaînés, pour chaque représentation, soit près de millions de manipulations en 60 ans, me faisaient vivre le spectacle. Mais elles étaient très éprouvantes, car je devais suivre le rythme parfois rapide de la bande de son. Résultat Au lendemain du festival, je décide de transformer ce diaporama en DVD en m'adressant à des professionnels. Et vous retrouvez sur la jaquette certains des visuels que je viens de vous montrer. Même si désormais l'entreprise n'existe plus, je tiens à mettre en évidence et les remercier pour l'excellent travail fourni pour ce diaporama et d'autres qui allaient suivre. Elodie pour la numérisation des 600 diapos dont elle améliorera parfois le rendu. Et Mathieu pour le montage proprement dit. Caler les diapos et leur défilement en fonction de la bande de son, ce que je faisais à chaque projection. Comme c'était très long, afin de laisser faire le travail au gré de ses possibilités, je confiais à Mathieu ma régie et vous voyez, en vert sur le côté, mes repérages pour les fondus enchaînés. Vous retrouverez ce diaporama, désormais présent sur YouTube, en utilisant le lien affiché sur votre écran. C'est Louis Salton qui, en 2018, posta ce diaporama et les autres. Entrepreneur de maçonnerie, il se mit à l'informatique dès la première heure et il assure au village le club informatique. C'est lui qui avait perfectionné en 2017 mon initiation au montage numérique, commencé avec Cédric Martinière, un de mes petits-neveux. Et, René Freddy, nous ayant quitté en août 2006, Louis Salton, qui m'assiste en permanence désormais, est devenu mon nouvel alter ego diaporamiste. Je vous disais plus haut que la décennie allait être riche en réalisations. Et pour vous rendre mieux perceptible l'enchaînement des différents diaporamas, je continue à vous soumettre la liste bilan fragmentée montrée plus haut. Pendant que je peaufinais la nouvelle version de mon diaporama sur le Maroc, j'avais entrepris la première version d'un diaporama sur les châtiments, dont je vous parlerai plus loin. Dès mon arrivée à Gap, en septembre 1971, j'avais importé dans une classe de seconde C des scientifiques du lycée de filles, les techniques audiovisuelles apprises à Casablanca. Je faisais très souvent cours dans la salle 30, que je partageais avec le prof de dessin. Salle équipée de tables qui pouvaient s'incliner et munie d'un rebord bien pratique pour retenir les documents. En mettant sur ce type de bureau une feuille de cançons noir, les élèves pouvaient reproduire les documents qu'elles avaient choisis. Pour illustrer leur diaporama. En outre, cette salle trente avait été réduite à tenants. je pouvais donc non seulement y entreposer mon matériel, mais aussi m'en servir de studio d'enregistrement. J'avais ajouté à ma panoplie de matériel de prise de vue, trois bagues allonges qui venaient s'intercaler entre le boîtier et l'objectif 50. Ces bagues allonges, rajoutées aux lentilles additionnelles que je vous ai déjà montrées, permettaient un très large éventail de prises de vue macro, l'original le plus petit étant de la dimension d'un timbre-poste. J'avais rassemblé dans un tableau les différentes données, chaque rectangle correspondant à la dimension d'un original. Un autre groupe réalisa un diaporama à partir de différents poèmes de Victor Hugo. Le troisième et dernier groupe d'élèves s'attaqua à une anthologie de Paul Verlaine. En fin d'année, les élèves présentèrent en classe à leurs parents ces trois diaporamas. Il en sera de même pour d'autres productions en temps scolaire. L'année suivante, je poursuis l'expérience en classe de première C avec certaines de ces élèves de seconde qui allèrent plus loin dans leur travail sur Verlaine. Un autre groupe avait choisi Musset et vous avez sous les yeux un autre exemple de la couverture de la collection Les Géants où les élèves et moi-même avons puisé une quantité précieuse de photos et de renseignements. Certains d'entre vous s'inquiètent peut-être du temps ainsi passé, l'année du bac de français, à ce genre d'activité. Et je vous comprends. Sachez toutefois que dans cette classe, des élèves qui m'avaient donc, entre guillemets, subi deux années d'affilée et avaient avec plaisir travaillé en classe sur leur diaporama obtinrent, à l'écrit, des notes excellentes entre 15 et 18 sur 20. C'était un beau cadeau qu'elles me firent et j'avais désormais la voie libre pour continuer en temps scolaire cette initiation au diaporama. Mais deux des élèves de seconde C, cités plus haut, Dominique Nurisso et Patricia Lama, ayant changé de section, virent me demander de poursuivre leur activité de diaporamiste en créant au lycée un club de montage audiovisuel. Et en attendant, Dominique dirigea son montage. Sur la commune de Paris. Et les bandes magnétiques où je stockais les diaporamas et les musiques en vue d'autres diaporamas allaient bientôt s'accumuler. Elles contenaient parfois deux diaporamas, car mon avec ses quatre pistes, avait un diaporama dans un sens, un diaporama dans l'autre. Dans le lot, au numéro 25 d'un côté, avec morceau verte, c'est ainsi qu'on peut distinguer les débuts de bande. Ma version originale des châtiments et Avec la Morce Rouge, une anthologie du 19e siècle. Ce diaporama a été réalisé en 1973 par deux de mes élèves de première B, section économie, Evelyne Falchier et Sylvie Gauthier, en dehors des cours, et peut-être en partie pour les enregistrements, dans le cadre du club de montage. Et il est si intéressant que je vais m'employer à le numériser et en faire un DVD dès que j'aurai terminé le présent diaporama. J'ai en effet la régie intégrale écrite par Evelyne de la page 1 à la dernière page, la page 14. Mis à part ma préparation des grands titres noirs sur blanc pour les reproduire ensuite en négatif, de même que pour les sous-titres dont j'ai retrouvé les papiers originaux, je ne sais plus quel a été mon rôle, sinon d'enregistrer les voix et les musiques et de reproduire les visuels choisis par ces deux élèves. Chez les Parnassiens, Gauthier, Hérédia, le comte de Lille et évidemment le signe de Sully Prudhomme. Et je me souviens que pour le rêve du jaguar de le comte de Lille, j'avais proposé aux réalisatrices de rajouter un bruitage extrait de mes récoltes marocaines. L'année suivante, je devais à nouveau aider Evelyne pour son diaporama sur le dévolui, paradis de son enfance. Avant de vous parler des réalisations du Club de montage audiovisuel, né en 1973, sachez que sa création me valut une ligne supplémentaire dans le rapport annuel de Mme Ribon, mon chef d'établissement. Plus que cette ligne supplémentaire, je voudrais signaler que pendant mes 11 années Gapan 16, Mme Ribon m'a toujours soutenu dans mes innovations pédagogiques, à la différence des inspecteurs généraux qui ne faisaient que passer tous les deux ou trois ans. Ainsi, en 1980, alors que le cours auquel il avait assisté portait sur un extrait de La Coupe à dix francs, film de Michel Condroyer sorti en 1974, l'inspecteur de passage acceptait que j'aborde le langage cinématographique à la condition, aussi stupide que péremptoire, je vous laisse le soin de lire vous-même la conclusion de son rapport d'inspection je voudrais maintenant vous montrer d'abord l'ensemble du brillant parcours de diaporamiste de dominique Nurisso, une des deux fondatrices de ce club sur la photo de pierre andré rullier vous voyez dominique qui dirige la projection et à sa droite patricia lama une de ses deux assistantes sur une autre photo de cette séance publique au lycée du diaporama intitulé Résistance, vous pouvez vous apercevoir dans la salle 1, pleine à craquer, à gauche de la réalisatrice, Madame Bertin, sa prof d'histoire. Jusqu'à la fin de sa carrière, elle utilisait en classe ce diaporama. Permettez-moi de vous rappeler dans quelles circonstances Dominique avait entamé ce diaporama. Avec Patricia, elle avait choisi de travailler d'abord dans le cadre du club de montage sur Les fleurs du mal. Et au bout de six mois, nous avions le choix de texte pour un nouveau diaporama. Avec René Mefredi, l'année suivante, nous, nous étions mis à leur disposition pour assurer à chacune la partie technique d'un nouveau diaporama dont elle choisirait le sujet. Dominique avait choisi le thème de la résistance. Son diaporama allait être largement diffusé ensuite avec le programme adapté que je devais rédiger moi-même plus tard. Lors du festival de diaporama géante de GAP en 2006, ce diaporama figure évidemment parmi les sept désormais diffusés par la Gave, association dont je vous reparlerai plus loin. Mais j'avais choisi pour résistance un visuel peut-être plus facilement perceptible dans le dépliant d'informations. Ce diaporama, comme pour le diaporama sur le Maroc, a été transformé en DVD par la même entreprise nimoise et Louis Salton l'a posté sur YouTube. Vous retrouverez le diaporama en entrant comme précédemment le lien affiché sur votre écran. Étant donné toutes ses activités de diaporamiste, Dominique bénéficia du Rotary Club de Gab d'une bourse de voyage pour aller un mois en Palestine. J'avais dû solliciter les copains pour financer l'impression des programmes. Elle avait choisi pour thème avoir 20 ans près du Jourdain. Mais elle se rendit vite compte qu'une fois arrivée en Israël, elle ne pourrait plus aller dans les pays arabes limitrophes. Je décide donc, avec mon épouse, de faire en voiture le trajet Gab-Jérusalem, un long voyage de 40 jours et 14 000 km, qui nous fait passer notamment par Istanbul. Et j'engrangeais quelques 200 diapositives pour un futur diaporama, Gab-Jérusalem, que j'ai diffusé une ou deux fois. Avec les photos de Dominique, les miennes et d'autres, piochées ici ou là, nous avions constitué un ensemble disparate de quelques 300 diapos dont la qualité était, à l'image de ma reproduction faite ce jour. Mais la bande de son, qui soulignait les trois aspects traités dans le diaporama, était excellente. D'où sans doute l'indulgence de Pierre-André Rullier dans son article de presse, suite à l'unique représentation publique au lycée de ce diaporama. Comme je voulais qu'il reste tout de même une trace de ce remarquable travail, j'avais choisi quelques-unes des meilleures photos, et je les ai fait ajouter dans le DVD au diaporama sur la résistance. Pour en savoir plus, je vous laisse le soin de parcourir la suite du programme. La bibliographie. Et plus encore, un condensé historique. Pour rester proche de la création du club de montage, je laisse pour l'instant quelques autres diaporamas sur lesquels je reviendrai plus loin, et je m'arrête sur celui de Patricia Lama, cofondatrice du club. SOS, chanson engagée. A noter à nouveau, sur cette liste de diaporama auquel j'ai participé, sont surlignés en vert ceux qui ont été transcodés en DVD. Celui de Patricia Lama sur la chanson engagée a eu une curieuse destinée et n'a jamais eu le moindre écho médiatique. Déjà, la veille où j'allais le passer pour la première fois au lycée, les collègues à qui je vais le présentais chez moi m'ont dit Tu vas le présenter aux élèves du lycée Loin d'être surpris par cette réaction, je constatais encore une fois que les chansons sont souvent entendues, mais rarement écoutées attentivement jusqu'à la fin. Et je me rappelais alors cette séance de lecture en classe de première que j'avais commencée par une audition de nuit au brouillard. Sourire ravissement des élèves, dont certaines répétaient cette chanson pour leur concert de Noël. Mais lorsque j'eus terminé la lecture des extraits du dernier des Justes, dont l'action s'achève en Pologne, au camp italien d'extermination d'Auschwitz, les pleurs avaient remplacé les rires. Nuit et brouillard venaient vraiment d'être écoutés. Lorsque je passais en 75 à la maison de la culture de Grenoble, ce diaporama, en alternance avec la première version du diaporama sur les fleurs du mal, j'avais l'impression qu'il dérangeait. Certes, les dessins, comme celui d'un ami Pierre Gialbertini, étaient assez éloquents. Certes, d'autres dessins, extraits de la presse de l'époque, était aussi suggestif. Mais il n'était pas moins violent que la vérité chantée par Moustaki et les autres. Je choisis donc la fichette annonçant le spectacle avec un dessin de pierre Albertini plus consensuel, comme l'on dit maintenant. Mais la MG s'adapte, qui m'avait accueilli l'année avant avec Les Fleurs du Mal et une expo sur Daumier, ne m'invita plus jamais. Je laissais donc la fichette prévue initialement. Avec un dessin de René Mefredi. Mais la fac des lettres d'Aix-en-Provence renonça elle aussi ensuite à me faire venir. Je gardais donc définitivement ce dernier dessin pour les programmes à venir. De toute façon, les chansons écoutées étaient bien celles qu'avait choisies la réalisatrice, Patricia Lama, durant ses vacances de l'été 74. Et c'est encore avec ce choix que René avait réalisé la bande son. Quant aux illustrations, Patricia n'eut pas le temps de s'en occuper pendant son année de terminale. Elle me donna ensuite le bon à tirer pour celle que j'avais trouvée à sa place. Ce diaporama fit évidemment partie des sept diaporamas de la gave choisis pour le festival de 2006. Je veux d'ailleurs ajouter que lorsque je faisais des tirages photos dans mon labo, c'est en écoutant les bandes magnétiques que j'avais prêtées à Patricia que j'ai découvert vraiment Jacques Brel, que je proposerai cinq ans plus tard comme sujet de diaporama. Pour des raisons de droit d'auteur, YouTube refusa d'abord ce diaporama. Si vous ne le trouvez plus au lieu habituel donné plus tôt, envoyez-moi un mail à l'adresse affichée et je vous indiquerai comment aller le pêcher sur Google. Dernier avatar de ce diaporama, programmé le samedi 21 mars 2020 pour un mini-festival de diaporama géant par le centre socioculturel de mon village, il fut annulé pour cause de confinement. Pendant la semaine où je passais ce diaporama à la Maison de la Culture de Grenoble, J'apprends qu'une usine est en grève. J'embarque aussitôt mes deux femmes et mon fondu enchaîné de l'époque dans la valise prévue à cet effet, mon téléphone ken pour la bande son, et j'arrive sur le lieu pour présenter en 30 minutes un diaporama sur Prévert. J'avais commencé en mai 1974 ce diaporama avec des élèves de seconde AB3, les plus défavorisés. Et avec celles qui étaient passées en première G1, option secrétariat, nous l'avions terminé. Et le public fut, comme les réalisatrices, sensible à l'humour de Prévert, notamment avec cette page, presque blanche, dans le recueil intitulé « Spectacle ». L'une des élèves avait dûment décorer la scène, extrait du recueil « Paroles ». De même fut appréciée l'extrême sensibilité du poète aux misères de ce monde. Tout autant qu'à ses horreurs. Rappelle-toi, Barbara En 75 dit apôt, nous avions ainsi donné un aperçu de l'œuvre poétique intégrale de Jacques Prévert, mais je n'en ai qu'une seule trace écrite, le descriptif synthétique du diaporama qui me tient lieu de programme lorsque je le proposai une autre fois, dans les mêmes conditions, à d'autres ouvriers en grève. Durant cette période, riche en production, j'avais pu entrer à Paris au prestigieux cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, où j'allais reproduire quantité de gravures de d'onorédaumier pour mon diaporama sur les châtiments. Mais j'avais également engrangé des reproductions des désastres de la guerre de Goya, reproduction qui entrerait dans la partie audiovisuelle d'un gros montage que j'allais réaliser avec une autre classe de seconde AB3 sur Montserrat d'Emmanuel Robles, un chef-d'oeuvre que j'avais vu jouer par les Tréteaux de France quelques années avant au Théâtre de la mer à Sète. Et raison de plus, avec ma piètre expérience dramatique du montage Maître et Serviteur, pour me contenter d'aborder cette pièce par une simple lecture de scène choisie Reliés de façon audiovisuelle. En voici le résumé. Au Venezuela, pour essayer de capturer Simon Bolivar, chef de l'insurrection contre l'occupant espagnol, un des officiers espagnols fait enlever six otages et menace de les faire exécuter l'un après l'autre tant que Montserrat, autre officier espagnol favorable à l'insurrection, n'aura pas dévoilé la cachette du fuyard. Les atrocités commises par les armées napoléoniennes en Espagne ne le cédait en rien à celle commise par les Espagnols au Venezuela. Et le parallèle entre le 19e, où se situe la pièce, et le 20e, lorsque Robles en 1948 l'a fait paraître, saute aux yeux. Sur scène, les extraits étaient donc seulement lus par les deux jeunes filles situées à chacune des extrémités du demi-cercle. Le choix des couleurs et des vêtements symbolisait le rôle de chacune, les personnages sauf deux étant des hommes. Pour le choix de la musique, j'avais fait appel à Michel Ribon, collègue prof de philo, mari de ma directrice. Il m'avait déjà aidé pour choisir les musiques du diaporama Israël en Palestine. Tous deux arrivaient de Beyrouth quand moi j'arrivais du Maroc. Et, en mélomane averti, il m'avait proposé un très large choix. Lors des deux seules représentations, une au lycée de filles, l'autre au lycée de garçons, les participantes étaient totalement autonomes. Comme les trois, de la régisson. Je me contentais de faire des photos noir et blanc. Là, comme ailleurs, chacune avait sa régie et savait ce qu'elle avait à faire. Ce spectacle n'eut aucun écho médiatique, mais j'en ai gardé un souvenir inoubliable, matérialisé par ce programme, plein de petits mots gentils, qui estompent un peu, je l'espère, les publicités auxquelles j'avais dû, encore une fois, faire appel pour imprimer les programmes. Quarante ans plus tard, je reprends dans le cadre de mes lectures du lundi, les extraits de Montserrat ainsi présentés. Je vous en donne la liste car il mérite d'être connu et je peux vous envoyer par mail les fichiers audio correspondants. Aboutissement du premier ouvrage mis en chantier lors de la création du club de montage du lycée, le diaporama sur les fleurs du mal fut très bien accueilli dès sa première présentation publique au lycée même. Je ne vais pas reprendre ici l'historique de ce diaporama car lors de son transfert en DVD, une amie, Mireille Bompard, en avait dactylographié les 7 pages A4 illustrées, adjointes au DVD. Il en est de même pour les 4 pages A4 manuscrites, vous avez présenté un descriptif détaillé des correspondances entre textes, voix, images et musique. Mais si ce document vous intéresse, je peux également vous l'envoyer par mail. Je me contenterai donc de revenir sur certains éléments importants ou oublié dans ces deux archives. Le premier est l'affiche qu'avait réalisée et sérigraphiée à 80 exemplaires Pierre Albertini pour ma présentation de ce diaporama au Festival Off d'Avignon du 12 au 31 juillet 1976. Cette affiche allait de pair avec les tracts que j'ai distribués chaque jour avant ma projection. Lorsqu'à la clôture du festival, je me suis retrouvé avec d'autres acteurs du Off. Je me suis rendu compte que ma moyenne quotidienne de spectateurs, vingt par soirée, était souvent supérieure à la leur, justifiant les articles de presse locale qui allaient me servir bien souvent pour la diffusion à venir. M'inspirant de l'affiche de Pierre Guy, j'avais réalisé ce dessin pour les affichettes de cette diffusion. Et comme pour le diaporama sur le Maroc, mais avec plus d'écho médiatique, je fus accueilli dans plusieurs MJC et autres centres de vacances du Sud Est. En vue du lancement de la gave, je projette pour la dernière fois cette première version des fleurs du mal, si souvent diffusée dans le sud-est. Remarquez, si vous le pouvez sur la photo, les deux objectifs zoom 100 150 plus longs que le 5,90 90 montré plus haut. Ces nouveaux objectifs permettaient de projeter une image de 4,50 m de base en plaçant la table de projection entre 12 et 18 m, ce qui était précieux selon les salles où je passais. Après la création du diaporama sur Brel, comme notre programme comportait une dernière page d'autres diaporamas disponibles, c'était toujours les fleurs du mal qui étaient demandées. Mais cette version de 1976, à mon avis, était loin d'avoir les qualités techniques suffisantes. Avec l'accord et les moyens financiers de la Gave, je décide donc une refonte complète de cette version. Je la détaille longuement dans l'historique auquel je fais référence tout à l'heure. Je précise quelques éléments. Pour la bande son d'abord, René enregistra toutes les voix avec sa platine Revox B 700 et avec plusieurs prises. Au prix de multiples coupes, il mit bout à bout les meilleures prises. Pour les disques, il n'employa pratiquement que des disques neufs et au moins de petits bruits parasites. Je ramène le disque à l'ami vendeur, arrêt photo, un de mes principaux mécènes pour Montserrat. Pour l'image ensuite, trois innovations. J'avais d'une part confié à Maxime Jean Lénaud, photographe professionnel des archives départementales de Gap, le soin de reproduire, selon mes indications, les titres et autres sous-titres qu'il reproduisait ensuite en négatif pour obtenir un résultat blanc sur noir. Baudelaire ne reculait pas devant les titres en latin. Aujourd'hui, il serait en anglais. Troisième et dernière innovation visuelle apportée par Didier Nicole, photographe professionnel à la Bibliothèque municipale de Lyon pour la reproduction d'œuvres originales. J'avais déjà appris à Casa que pour faire à l'extérieur des repositions de documents, il fallait se mettre à l'ombre et être exposé au nord. Didier Nicole m'a appris en plus l'utilisation de la charte de gris, charte au sens de carton. Toutes les heures, on fait un réglage de la vitesse et de la luminosité sur ce carton gris et on garde ces données, quels que soient les documents à reproduire, obtenant ainsi une grande unité dans les repros. De ce fait, je retourne vers les éditions d'œuvres d'art rencontres de Lausanne qui, en 77, m'avaient exonéré les droits d'auteur et je tire de leur intégrale 27 volumes, l'essentiel des illustrations dont j'avais besoin. Restait à concevoir de nouveaux documents publicitaires, à commencer par les affiches. L'autoportrait de Baudelaire, reproduit à Lyon, allait être omniprésent. La première présentation de cette version entièrement rénovée eut lieu à mes yeux, dans la banlieue lyonnaise, à la demande de sa bibliothèque municipale. Le public, nombreux au rendez-vous, et la presse locale furent satisfaits. Pour l'occasion et pour la suite de la diffusion, j'avais fait refaire les programmes, avec les mêmes exigences de qualité que pour le diaporama lui-même. Lorsque pour suivre mes enfants, j'ai émigré dans le centre de la France, j'ai projeté encore quelques fois ce diaporama toujours bien accueilli. En juin 2007, pour célébrer le 150e anniversaire de la première édition des Fleurs du Mal, je fus invité pour deux séances à la médiathèque de Caréda à Nîmes. Le verso de ce tract avait de quoi interpeller le public, qui avait été également averti par un important article de presse, fruit d'une longue interview. Et j'ai le plaisir de voir que le public était au rendez-vous. Lors du festival 2006 à Gap, Les Fleurs du Mal étaient évidemment en bonne place. Et comme les autres diaporamas de même importance, il a été converti en DVD par la même entreprise nîmoise. Mais à la différence de ces autres diaporamas, celui-là a été posté sur YouTube par une amie cinéaste, Caroline D d'où le nouveau lien pour le retrouver. La fin de cette décennie que je vous annonçais fertile allait voir naître trois autres diaporamas prestigieux. Vous avez dû apercevoir dans les programmes précédents le nom d'Aimé Bertin, qui avait participé à d'autres diaporamas, en donnant notamment sa belle voix et ses compétences de prof d'histoire. Cette fois, c'était lui qui dirigeait les opérations, pour son diaporama Napoléon, mythe et réalité. Annoncé par cette admirable affichette, dessins et textes de Pierre-Guy Albertini, ce diaporama, du vivant de l'auteur, disparu prématurément, ne fut présenté que deux fois à Gap. La première, dans la salle du foyer des jeunes d'éducation populaire. La deuxième, au cinéma Le Palace, un 2 décembre, la date choisie n'est pas un hasard, vous vous en doutez bien. Par la suite, je remplaçais la date symbolique du 2 décembre par ce vers de Victor Hugo, extrait des châtiments. Cet homme étrange avait comme enivré l'histoire. En parallèle à ce diaporama créé par Aimé Bertin, le club de montage du lycée réalisa une mini-exposition. Les textes choisis étaient tous tirés du poème central de l'expiation que d'autres élèves avaient enregistré cinq ans auparavant, mon diaporama sur les châtiments. À l'exemple du diaporama des Mébertins, ces textes opposaient les glorieux mythes napoléoniens aux tristes réalités meurtrières qui suivirent le coup d'État du 18 Brumaire. L'un de ces textes, en effet, tiré d'une lettre du Figaro littéraire en février 1969, après avoir rappelé les horreurs liées aux conquêtes napoléoniennes, concluait Les Italiens ont pendu Mussolini, et le cadavre d'Hitler a disparu dans la boue et dans les ruines. Digne fin pour ces monstres. J'avoue ne pas comprendre tous les éloges napoléoniens parus dans votre journal. Pour les quelques diffusions ultérieures de ce diaporama des Mébertins, j'ai utilisé ces notes pour compléter le programme qui les accompagnait. Ce diaporama des Bébertin sur Napoléon Ier fut évidemment un des sept diaporamas présentés par la Gave au festival de 2006 et, comme pour les diaporamas précédents, je fis appel à PhotoPrice pour le transcodage en DVD et le lien est toujours le même pour le retrouver sur YouTube. Vous vous êtes sans doute déjà rendu compte que nos diaporamas se suivent et se répondent. C'est pourquoi pour faire le lien et la transition avec celui de Woodstock que je vais vous présenter maintenant, j'avais rajouté au bas de la liste de SOS chansons engagées le Sacco et Vanzetti de John Baez. Plus que jamais ce diaporama sur Woodstock doit beaucoup à René Méfredy auquel j'ai rendu hommage au tout début du DVD que j'ai moi-même réalisé sur ce diaporama en 2017. J'avais gardé un excellent souvenir du film projeté à Paris en 1970 sur ce festival unique dans l'histoire de la musique. Et, comme nous n'avons cessé de l'écrire dans les programmes réalisés ensuite, notre but n'était absolument pas de singer ce film remarquable à bien des égards. Avec cet objectif, c'est René qui, en musicien averti, avait choisi dans le triple album sorti également en 1970, les 17 morceaux pour lesquels les autres membres du club de montage allaient chercher des illustrations. Lors d'une soirée pour les internes, à la salle des fêtes du lycée, nous avons fait écouter les dix-sept morceaux choisis par René, associés à quelques rares reproductions de la pochette du triple album d'une part, d'autre part, des reproductions des têtes des principales vedettes du festival de 1969. En tant que prof de lettres, j'estimais en effet que, pour des lycéennes, Reconnaître le portrait de John Baez, Joe Cocker et autres Jimi Hendrix n'enlevait rien à ceux de Molière, Hugo et autres éluards. Cette audition était une façon de lancer les séances de travail du club de montage, bientôt élargie à Abby Gémeaux, une amie américaine, et à Colin Lander, un ami anglais, prof d'anglais au lycée de Garçon. C'est précisément un dessin de René plusieurs fois reproduit dans le diaporama qui sert de couverture au DVD réalisé en 2017. Comme j'ai longuement commenté ce travail à la fin de ce DVD, je ne vous en propose ici que quelques éléments clés. Dernier né du Club de montage audiovisuel, sa réalisation s'étendit sur deux ans. Après une première projection test dans les Hautes Alpes durant l'été 78 à Pont du Fossé, et deux autres au centre de la France, où des amis nous avaient déjà fait venir pour les diaporamas sur le Maroc et les fleurs du mal. Tandis que différentes illustrations proposées par les membres du club venaient grossir le stock que j'avais déjà engrangé, je m'intéressais au matériel publicitaire. Et comme notre diaporama n'avait pas pu être programmé et annoncé à l'avance, j'imitais le système des cirques de passage, avec des affiches assez agressives par leur couleur et la nouveauté de leur format, 30 par 70, tout droit sorti des presses de l'imprimerie Voler à Gap. De même, je réalise de petites affichettes à polycopier en noir sur blanc pour les coller au bout des longues affiches. Et le fourgon HY que j'avais acheté peu avant allait bientôt se transformer en fourgon publicitaire. M. Coller, un ami artisan, fabriqua un cadre métallique qui se fixait comme vous le voyez sur le côté gauche du fourgon, cadre sur lequel est étendu, avec des élastiques, notre nouvel écran de 3 mètres sur 4, indispensable pour les diffusions en plein air qui allaient s'enchaîner. Sachant par expérience que les journalistes acceptent volontiers qu'on leur remette des visuels, j'avais fait faire une autre photo où, pour une fois, on me voit de face, avec tout mon vieil attirail de projection. Remarquez, au-dessus de chacun des projecteurs, une lampe de rechange dans son emballage carton, des lampes halogènes de 150 watts. Normalement, la durée de vie de ces lampes s'arrête à l'occasion d'un allumage du projecteur. Mais deux fois seulement, l'incident est arrivé en cours de spectacle, dont une lors de la projection sur Woodstock à Venn, près de Gap. Mais en liaison avec René, dans le fourgon Sono, par une sorte de téléphone de campagne, j'ai tout fait d'enlever l'arrière du projecteur pour remettre une lampe neuve et reprendre le spectacle trois minutes plus tard. Après une première en plein air, sur la place centrale de Gap, la tournée prévue allait pouvoir s'effectuer. À Avignon, lors du festival à 79, la municipalité nous avait mis à disposition un stade, et malgré son éloignement du centre du festival, les spectateurs furent nombreux, sept soirs d'affilée, et les comptes rendus de presse encourageants. Après un passage obligé dans mon village natal, mais cette fois dans les arènes et non à la maison paroissiale comme pour le Maroc, le spectacle revint dans les Hautes Alpes pour 11 séances supplémentaires. Pour continuer à diffuser ce diaporama, je gardais bien sûr le même contenu que le programme initial, mais je fis imprimer des affiches plus pratiques à placer dans les vitrines. Les quelques projections, faites encore dans le sud-est, des fortunes très diverses. Et même, à la MCC de Bollen, pas un seul spectateur, sinon le directeur qui nous avait fait venir. En 1982, je quitte les Hautes-Alpes et je continuais alors à diffuser seul nos diaporamas sous la houlette de la gave créée peu avant. Mais, comme pour ce diaporama, nous faisions des effets de pseudo-quadrifonie avec des enceintes placées à l'arrière des spectateurs, René m'inventa une petite table de mixage qui me permettait, à ma table de projection, de piloter les curseurs des voies Et, bien que longuement entraîné, comme je ne comprenais pas l'anglais, j'avais bien besoin de mon chrono et de ma régie. Encore plus pour les morceaux instrumentaux, notamment. Tout le matériel, sauf ampli et enceinte acoustique, étant désormais regroupé autour du projectionniste, mon neveu Bernard Vidal me fabriqua cette plus que multiprise. J'avais depuis longtemps une grande table en bois, Monté sur quatre pieds métalliques télescopiques, qui, vu d'en haut, ressemblaient à ce dessin réalisé à partir de photos de presse par Louis Salton pour les besoins de ce diaporama. La hauteur maximale de cette table, pour une stabilité parfaite, était de 1 m cinquante sur 2m de profondeur de chaque côté. J'avais donc de la place, mais il m'en fallait. Par cette reconstitution de 2020, vous avez une idée de l'ensemble des éléments répartis sur cette table lors d'une projection en solo du diaporama sur Woodstock. Avec tout ce matériel image, et son notamment les trois formes achetées à Casablanca, j'étais prêt pour une heure vingt de projection non-stop de 350 diapositives que je passais une à une avec mon fondu enchaîné manuel. Une autre nouveauté allait intervenir. J'avais remarqué qu'après le passage du cinquième morceau, lorsque Jimi Hendrix détourne l'hymne américain sur l'air, des bombardements au Vietnam, un certain nombre de spectateurs s'en allaient, surpris par les stridences de sa guitare, comme je l'avais été moi même lors de la première audition de ce morceau au lycée. On se mit d'accord avec René pour repenser l'ordre des morceaux afin de mettre le plus loin possible dans le diaporama ce morceau d'anthologie de Hendrix. Tandis que de mon côté, je refaisais en conséquence le nouveau programme, René se remit au travail, comme pour le montage sur les fleurs du mal, et utilisa sa trousse de secours qui contenait tous les instruments nécessaires en cas de rupture de bande. Puis il me fit une copie sur quatre pistes de cette nouvelle version pour que je puisse la passer sur mon propre revox A77. Cette nouvelle version testée en plein air à l'initiative de la bibliothèque municipale de Neuville-sur-Saône au nord de Lyon passa très bien et c'est celle qui conquit le public lors de la projection en 2006. Dans le cadre du festival. Lorsque je réalisais en 2017 le DVD, je donnais cet avertissement. Et cet avertissement fut rajouté au programme lorsque, pour marquer le 50e anniversaire du festival, je repris ce diaporama à redescend. Posté sur YouTube, ce diaporama a été tout de suite refusé. Pour cause de droit d'auteur, comme pour assurer chansons engagées. je peux vous indiquer le moyen de le récupérer si vous m'envoyez un message à l'adresse déjà donnée plus haut. La préparation de ce diaporama, Woodstock, dix ans après, s'étant étalée sur deux ans, un de nos collègues nous surnomma les Gallo riquins De ce fait, la proposition de mes élèves de première G1, option secrétariat, de faire un diaporama sur l'amour dans la chanson française. Fut plus que bienvenue. Une amie, Patricia Oliver, dactylographie sur stencil à Alcool les quelques cinquante textes rassemblés. J'en fais des polycopes pour chacune des vingt-deux élèves. Mais finalement, les textes prévus sur l'amitié furent écartés. Mon propre exemplaire enregistrait l'aboutissement des différentes failles de travail. C'était l'année où ces jeunes filles passaient l'épreuve de français anticipé du bac. Elles présentaient donc à l'oral des listes de textes étudiés pendant l'année. Avec La carte du tendre de Moustaki, elles étaient encore proches des classiques habituels. De même, avec Ferrat chantant Les poèmes d'Aragon. Au-delà de l'incontournable Maladie d'amour de Michel Sardou et du déchirant Je suis malade de Serge Lama, d'autres titres sur les listes de ces jeunes filles on pu surprendre certains ou certaines examinateurs examinatrices, tels le Que je t'aime de Johnny ou encore La Tendresse de Daniel Guichard. Mais je n'eus aucun retour négatif sur le choix de ces chansons à l'oral du bac. Pour ma part, j'avais gagné, au delà de l'inimitable Edith Piaf, de découvrir d'autres chanteuses telles Alice Donna et Marie-Paul Bell, avec des voix et des textes admirables. Chansons et illustrations avaient été choisies par les élèves elles-mêmes, les portraits que vous avez vus alternant avec des images plus symboliques. Au regard du temps passé en classe pour choisir les chansons, 14 heures, et hors classe, 6 heures, pour le tri des photos et leur reproduction, le travail sur la bande de son s'étant en fait par et chez René Meffredi. Ce n'était pas du temps perdu, mais ce fut le dernier diaporama que je réalisais dans un lycée Puisque j'allais finir ma carrière dans un collège de la Nièvre. Il est temps que je revienne sur Lagave, association déjà citée plusieurs fois, qui allait être fondée par les principaux réalisateurs des différents diaporamas présentés plus haut. Car la réalisation et la diffusion du diaporama sur Woodstock. Nous avions montré que nous ne pouvions plus fonctionner dans le cadre contraignant d'un foyer de lycée. Avec ce que vous venez de voir et d'entendre dans la première partie, vous vous doutez bien qu'il ne me fut pas difficile d'écrire dans nos statuts l'objet de notre association. Et pour vous, il n'est pas difficile de mieux appréhender les chiffres et les textes qui figurent au bas de notre fleur emblématique. tout autant que les textes ou les chiffres répartis sur le haut de la fleur, cette fleur du désert qui ne pousse qu'une fois. Cette fleur, ce fut le diaporama Braille n'est pas mort, sur lequel je vous entretiendrai plus longuement. La presse locale relaya largement la création de cette association en reprenant le contenu de ce dessin. Vous connaissez déjà six des sept diaporamas présentés sous le label Agave, au festival du diaporama géant que j'ai organisé à Gap en 2006. Il est temps que je revienne sur ce festival et que j'accorde la place qu'il mérite aux sept diaporamas invités venus de toute la France, recrutés au fil de rencontres ou recherches étalées sur 25 ans. C'est grâce à eux, en effet, que les thèmes et aux sujets abordés durant ce festival se sont accrus et que j'en ai récolté de précieux visuels pour nos affiches et pour nos tracts. Ainsi, l'image centrale, une vue de Patagonie, envoyée par Pierre Régior. De même, ce détail de mosaïque sur les jeux romains, envoyé par Jean-Marie André. Ou encore, cette vue d'Istanbul, offerte par l'équipe du père Fournier. Cette diversité de thèmes et de sujets justifiait la liste des noms, inscrits comme en filigrane, sur laquelle étaient répartis les différents visuels de l'affiche et de la une du tract. Mais surtout, les invités ont apporté à ce festival quasiment toute la gamme des techniques diaporamiques. De la conférence classique sur la médecine romaine, avec projection vue par vue, commentée en direct par Jean-Marie André, au diaporama le plus sophistiqué, celui d'Annie et Pierre Régior sur l'Argentine, avec leur batterie de 6 carousels Kodak pilotés par ordinateur, permettant... Toutes les combinaisons possibles d'images sur l'écran une, trois, six, douze, etc. D'où le terme de polyvision. En passant, par la projection en fondu enchaînée des trésors wallpins, avec commentaires et interviews enregistrés par Jean-Paul Dumas, la projection avec musique enregistrée et commentaires en direct par Jean-Marie Terrasse, spécialiste d'astronomie, les diaporamas numérisés sur l'Égypte et la Turquie avec l'équipe du Père Fournier. Et enfin, le commentaire classique en direct, vu par vue, d'un spécialiste de Dali, Philippe Vigier, mais accompagné au piano en direct par Françoise, son épouse. À ces sept diaporamas invités se sont ajoutés chaque jour d'autres diaporamas recrutés par cette annonce d'écran ouvert sur notre acte. Ce résumé, rajouté sur nos mille affiches, est le condensé de toutes ces projections et du concert de clôture par Kausasun, un groupe local de musique amérindienne. Une pareille programmation étant lourde à porter, j'avais fait appel à deux organismes culturels dont je connaissais les responsables. Michel Baudouin pour le centre municipal Culture et Loisirs et Christian Graglia pour l'Université du temps libre au pôle universitaire. Cette organisation tripartite entraîna un éclatement des lieux de spectacle et fit redoubler mes efforts pour la logistique même si les Trois étaient rapprochés et au cœur de Gap. Mais, pour une fois, des partenaires officiels avaient rejoint la gave et apporté soutien moral et ou financier. La Région, Provence Alpes Côte d'Azur, la Radio des Alpes, Alpes un, la Mairie des Gap, qui mettait à disposition le CMCL et ses techniciens, et enfin le journal local, le Dauphiné Libéré, qui jadis avait déjà tant fait pour nous. Je voudrais au passage saluer ici le formidable travail réalisé par les maquettistes et autres imprimeurs à qui j'avais soumis mes projets de maquette pour ce festival, maquette que j'avais fait viser par Gilbert Guionni. Un des réalisateurs du diaporama sur Brel. Il s'agissait du recto du tract initial visant à recueillir du public dans toute la France en attendant le tract définitif plus complet six mois plus tard. Car les offices de tourisme et autres relais d'information auraient ainsi le temps d'intégrer dans leur plaquette notre programme du festival. Voici le résultat obtenu par Madame Couvert, responsable d'une imprimerie nimoise aujourd'hui disparue. L'esquisse du verso, plusieurs fois remaniée en fonction de la vie d'autres réalisateurs, est aussi parlante comparée au résultat final. Un travail encore plus important allait être effectué par Cyril, un maquettiste à qui j'avais confié la dernière étape du brouillon de ce qui allait devenir la fille du festival, identique à la une du dépliant. La comparaison de l'intérieur de ce dépliant avec le résultat final dont vous avez déjà vu des fragments parle d'elle-même. Et si je salue ce maquettiste pour le résultat final, je félicite aussi l'imprimeur, M. Villevieille, pub à Nîmes, qui imprima nos mille affiches et nos quinze mille dépliants. Étant donné la quantité de lettres que j'allais envoyer pour ce festival, Plutôt qu'un prétentieux et onéreux papier à en tête, j'avais fait imprimer des étiquettes autocollantes et fait réaliser un tampon général. Ce type de lettre, dont vous pouvez vous servir, fut adressé d'abord aux réalisateurs et co-réalisateurs des diaporamas présentés par la GAV, ensuite aux offices de tourisme, et enfin à tout relais éventuel de l'information. Le contenu de ces lettres fut largement relayé par la presse locale, y compris à la une du Dauphiné, la veille même du début du festival. Et ce festival fut suivi aussi largement qu'il avait été annoncé. Les projections se déroulèrent dans les meilleures conditions. Toutefois, je dois signaler un incident au départ, lors de la projection du diaporama phare, Brel n'est pas mort. Confiant, dans l'installation électrique du centre municipal où se passait cette projection, je négligeais, la seule fois, en 25 ans de diffusion, de brancher tous nos appareils en passant par un survolteur disjoncteur qui nous avait protégés lors d'un violent orage à côté de Grenoble. Or, oh, alors que pour ce festival, nous avions acheté deux projecteurs neufs, le premier claque au milieu de la première partie, et ce n'était pas une question de lampe. Aussitôt remplacé par le projecteur de secours. Le deuxième, dix minutes avant la fin du spectacle. Les spectateurs écoutèrent la fin de la bande-son dans le noir, comme le souhaitait le journaliste de Pau, dont le papier n'était guère encourageant pour des diaporamistes. Mais cette critique m'étonna d'autant moins qu'avant le début de la diffusion, une amie à qui je demandais précisément des conseils pour préparer notre diffusion m'avait avoué Moi, j'écoute Braille dans le noir. Toutefois, la mention manuscrite de la personne qui m'avait fait venir à Pau, celle qui précisément m'avait envoyé copie de l'article sympathique, atténua quelque peu la critique, au milieu des compliments auxquels nous étions habitués. Vous allez en effet le constater vous-même avec les documents qui ne vont pas tarder à apparaître. Comme pour les Fleurs du Mal, Mireille Bompard a dactylographié le long historique, huit pages à quatre, de ce diaporama sur Brel historique joint lors de sa sortie en DVD. Historique portant essentiellement sur la création. Je tiens la suite à votre disposition si vous me le demandez. J'ai tout de même gardé de cet historique une demi-page relative au matériel nécessaire à la diffusion. Il faut que je vous raconte maintenant comment on en est venu à conserver ce système de fondu enchaîné que vous voyez au bas de votre écran. Avec mon fils et Josiane Richaud, une des réalisatrices nous étions allés au Festival international de diaporama de Vichy, l'inventeur même du mot diaporama pour une projection sonorisée. La salle de projection était équipée de Simda et de Koda Carousel. Mais, lors de deux ou trois projections, une diapo se coinça dans le projecteur et le diaporama ne put reprendre que dix bonnes minutes plus tard. Nous étions dès lors fixés sur le matériel de projection. Nos formes dans une gamme plus lumineuse que mon matériel initial, avec des lampes halogènes de 250 watts, était donc l'idéal. Nous ne perdions pas de vue non plus qu'un des objectifs de notre diffusion était de montrer qu'avec du matériel simple et peu coûteux, on pouvait aussi réaliser de belles choses, ce qui fut mis en évidence dans certains comptes rendus de presse. Et cet extrait de presse sera rapidement intégré dans nos programmes offerts au public. À la fin, de la deuxième page de notre livre d'or, suite à la projection à Saint-Gilles, dans le Gard, il nous fut même conseillé, très sérieusement, de faire breveter notre système réalisé à moindre frais. Car des frais, il y en avait. En consultant les deux pages consécutives liées à notre budget prévisionnel pour les dépenses, et en les additionnant, vous arrivez à un total qui avoisine les 8000 euros actuels. Or, les recettes prévisibles en couvriraient à peine la moitié en nous basant sur le lieu où nous avions, deux ans auparavant, projeté le diaporama sur Woodstock. A défaut de subventions et de mécènes que nous n'avons pas cherchés, la différence fut comblée de façon participative avec ce que chacun des réalisateurs avança selon ses possibilités. La fin de l'historique se termine sur cette demi-page. Mais, si maintenant, vous voulez aller plus loin dans mon labyrinthe et pénétrer dans les coulisses de 25 années de diffusion de ce diaporama sur Brel, suivez le guide. Sinon, passez tout de suite à la troisième partie, après le diaporama sur Brel. Toutefois, pour ne pas abuser de votre aimable attention, je limiterai mes documents d'archives à ceux qui montrent l'évolution de nos démarches publicitaires, donc susceptibles de vous intéresser. Ainsi, je ferai alterner d'une part des extraits de notre livre d'or, intitulé d'abord Merci de vos suggestions, et d'autre part l'intégrale des seuls articles de presse dont j'ai gardé des extraits pour notre trac définitif. Et en prime, ici ou là, telle ou telle anecdote savoureuse. Une première mouture, à la mi-décembre 80, avait rassemblé au centre municipal, notre habituel lieu de travail collectif, les 20 réalisateurs, dont 10 extérieurs l'éducation nationale, accompagné au maximum de deux personnes, en présence de Pierre-André Rullier, qui nous suivait depuis dix ans. Après la projection, je suis de dos en train de prendre des notes. Malgré le froid, nous avions échangé sur cette mouture. Et l'article de Pierre-André Rullier, publié peu après pour cette séance presque privée, allait nous donner des ailes. Au cours des trois mois qui suivent, l'équipe de réalisateurs Désormais réduite de moitié, s'emploie à intégrer les remarques que j'avais notées en décembre. Et, seul, je ne ratais pas une occasion de tester notre diaporama en l'état et de m'entraîner à le passer. Il y avait tout de même 350 diapos à faire défiler dans les projecteurs. Un de ces tests, sur une amie et collègue, aboutit à ce précieux document dans notre livre d'or. Et sa conclusion remplacerait bientôt sur nos affiches et plus tard. Sur notre acte, la référence à notre diaporama sur Woodstock. Un autre galop d'essai, avec une version quasi définitive, devant un véritable public qui ignorait donc tout de nous, fut concluante. Une nouvelle affiche naquit et fut largement répandue à Gap et dans toutes les Hautes-Alpes pour annoncer notre première le 23 mars 1981. Comme le signale, dès le lendemain, Pierre-André Rullier, le succès. Fut à la hauteur de notre travail. Nous avions prévu deux séances, 300 personnes chaque fois, il en fallut deux supplémentaires. De ce fait, à l'issue de cette première, les trois quarts des réalisateurs distassaient leur satisfaction devant l'objectif de Pierre-André Rullier. Et ce travail, nous l'avons toujours signalé à l'attention du public dans une des pages de notre programme. Le fourgon, qui m'avait servi pour Woodstock, dès les vacances pascales suivantes, lorsque je pars en Corse avec ma famille, se transforme à nouveau en caravane publicitaire pour la future tournée d'été. Au retour de ce voyage, je découvre par hasard, à la sortie de Port-de-Bouc, les sculptures en acier de Raymond Morales. Et un mois plus tard, nous avions choisi dans ces sculptures la dizaine de diapos pour notre illustration des bigotes en remplacement des reproductions utilisées provisoirement. Rares ont été les séances où on n'est pas venu, admiratif, me demander à l'entracte où nous avions trouvé ces illustrations. Je renvoyais alors les spectateurs au bas du programme où figurait Raymond Morales, au dessous des sources de nos illustrations pour les marquises. Pour préparer la tournée d'été, nous avons testé, toujours en salle, deux fois encore notre travail. À la MJC de Briançon, puis à Marignane, dans une école dirigée par la mère de René. La photocopie étant peu lisible, j'en découpe au moins la conclusion. Une première, de tout autre ordre, allait avoir lieu, fermée, dans une cour d'un lycée de la Drôme. Nous allions y tester notre nouveau matériel de projection, notamment notre nouvel écran de 4 mètres par 6, et du matériel sono, ampli rovox, étape de mixage Rodec, qui serait bientôt bien protégé dans des caisses en bois numérotées. Pour faciliter les innombrables manipulations qui allaient s'enchaîner pendant plusieurs années. Mais surtout, pour cette première projection en plein air, nous avions deux invités de marque venus de Bruxelles incognito. L'épouse de Brel, Thérèse Michelsen, et leur fille, France, qui venait de créer la fondation Brel. Comme le responsable du lycée qui nous avait fait venir, elles furent ravies, nous laissant le feu vert pour les diffusions futures. Le journaliste local fut conquis lui aussi et sa conclusion nous promettait un bel avenir. L'heure était donc venue de préparer des tracts pour cette tournée d'été 81 en mentionnant évidemment les premiers échos de la presse. La presse locale avait largement relayé notre information relative à notre passage au festival d'Avignon, pour lequel nous avions fait imprimer des tracts spécifiques, car la concurrence est rude dans le festival off. Ravi de la soirée, avec des diaporamas sur Woodstock que nous lui avions offerte en 1979 à la GIA, Avignon, jeunesse, accueil, le prêtre qui la dirigeait nous met gracieusement à disposition son église avignonnaise, le lieu de rencontre Jean 23. Dans la journée, j'ai à la distribution de ces tracts. Josiane et Gilbert, deux des réalisateurs, qui avaient créé quatre magnifiques panneaux publicitaires. Et le soir, ce lieu de rencontre étant très excentré, je faisais le taxi avant et après la projection avec le camping-car que vous avez vu plus haut, transformé en caravane publicitaire. À bord, les Mimosa, alors que mille personnes, une des deux soirées records, étaient rassemblées pour notre spectacle. Une lampe claque au début de la deuxième partie. Comme pour Woodstock à Vienne, deux ans avant, trois minutes plus tard, le spectacle reprend, et cet incident n'empêcha pas une spectatrice belge de recommander notre diaporama auprès du directeur du prestigieux Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Au cours de cette tournée d'été, notre livre d'or mentionne entre autres la qualité de notre sono. à la qualité des appareils déjà mentionnés plus haut pour la retransmission de la bande son, s'ajoutait la qualité des enceintes acoustiques. Aux Altec d'occasion, qui nous avaient servi pour Woodstock, s'étaient ajoutées deux enceintes cabasses, les fameuses enceintes jadis garanties à vie, dont le prix unitaire était de 600 euros pour des 80 cm par 30. Inutile de vous dire que nous les avons bichonné ces cabasses. Dix ans plus tard, pour faire changer gratuitement le haut-parleur des aigus de l'une de ces enceintes, j'ai renvoyé l'enceinte avec l'emballage d'origine qui nous servait toujours. Les échos relatifs à la qualité du son, vous l'avez lu, étaient donc favorables. De ce fait, en plus du modeste cachet convenu, équivalent à 150 euros, je demandais au responsable du club Léo Lagrange, qui nous avait fait venir dans un gymnase à Dessines, qui jouxte Lyon, de recouvrir le sol d'un tapis de corde et de tendre à 400 mètres de haut un réseau de fines ficelles. Le résultat fut si concluant qu'un des journalistes termina son article en soulignant l'intérêt de ce nouveau lieu de spectacle qui était le gymnase. En un week-end, 15 jours avant les représentations, j'avais couvert toutes les entrées et sorties de Lyon. Et étant donné les deux articles que vous venez de lire et les échos de nos 20 soirées dans le sud-est, les locations allèrent bon train, car mes erreurs de date sur les 10 000 tracts avaient été corrigées à temps, grâce à un solide travail d'équipe. En présence de la majeure partie des réalisateurs venus de Gap, les 9 séances à la Cigale, souvent complètes avec 300 personnes par séance, ravirent en général le public. Et la majeure partie de l'argent que nous avions avancé pour couvrir les achats de matériel, fut de ce fait remboursé. A défaut de compte rendu de presse, notre livre d'or se couvrit de nombreux compliments et encouragements, à une exception près, sur les quatre pages de Lyon. Et, comme vous l'avez peut-être lu vous-même, en recherchant cette critique dont je me souvenais très bien, j'ai vu, juste en haut de la même page, un avis diamétralement opposé, l'auteur voulant acheter copie de notre travail. La diffusion de notre diaporama va se poursuivre et s'étaler dans toute la France à la demande d'organisateurs qui l'avaient vu ou démarchés par moi-même séances à la faveur d'un week-end ou de vacances scolaires quand c'était loin de mon domicile car ne l'oubliez pas j'étais alors prof dans un collège nivernais voici quelques échos de la quinzaine de séances courant 82 dont trois en Alsace Vous vous souvenez de notre bide complet à Bolène en 1979 avec le diaporama sur Woodstock. Avec Brel en 1982, ce fut un grand succès, de même qu'à Blassey, au nord de Lyon. Le succès de notre diaporama fut tel que nous avons été manifestement plagiés par une grande maison d'édition. Notre spectacle a été créé en mars 81 et le public eut tout de suite entre les mains notre programme, dont vous voyez la première page. Regardez la superposition de ce programme avec la couverture d'un livre qui sort deux ans plus tard sous la plume de l'écrivain journaliste Pierre Berruet. Cette couverture a conservé le dessin de Josiane Richaud, une des réalisatrices, mais sans aucune mention, page 4, de la source du dessin, alors que dans la même page, et rappelée une certaine loi de 1957 relative à la contrefaçon. Ma lettre de doléance en 183 resta sans réponse mais elle me libéra de tout scrupule pour mes futures empreintes d'images et de musique sur la toile. Et vous savez désormais où j'ai trouvé ce dessin coloré plusieurs fois utilisé. Je n'allais pas m'en priver. Je dois toutefois vous signaler que, cherchant, pour le présent diaporama, des renseignements sur l'écrivain et son éditeur, j'ai vu que son livre avait été réédité en 1985 avec une nouvelle couverture. Après les diffusions de 1981 et 82, étant donné l'accueil reçu partout pour notre diaporama, comme j'habitais désormais à 240 km de Paris, j'ai la folle idée, pour marquer le dixième anniversaire de la mort de l'artiste, de présenter notre spectacle à Paris avant une nouvelle tournée d'été. Préparation et réalisation qui allait s'étaler sur plus d'une année avec notamment une affiche rénovée. Ainsi, durant les vacances d'été 87, je parcours à neuf mois et demi le quart sud-est de la France en vue de cette tournée. Pour trois raisons essentielles. La première était de faire une photo du monument mort de la ville, car, pour personnaliser le spectacle, nous présentions dans la cinquième chanson La Colombe. Le monument aux morts de la ville. La deuxième raison était évidemment de prendre contact avec un organisateur potentiel et, celui ci trouvé, de visiter avec lui, troisième raison, le lieu où pourrait se dérouler notre spectacle, car, pour chaque projection, j'avais toujours fait jusque là une visite technique des lieux, réduisant ainsi les éventuels problèmes, visite que je ne pourrais plus faire ensuite habitant le centre de la France. Après ces prises de contact durant l'été, je m'emploie dès la rentrée 87 à préparer, toujours en liaison avec des réalisateurs pensée toute une série de documents d'information, car loin de Lyon et encore plus de Hautes-Alpes, nous étions de parfaits inconnus et tout était à faire pour deux séances de lancement à Paris. Le premier de ces documents était un livret-dossier de presse dont vous venez de voir la une empruntée au diaporama sur la chanson engagée. Et le quatrième de couverture précisait mes coordonnées et mes objectifs. Je voudrais au passage mettre aussi en évidence l'imprimeur qui réalisa cette plaquette et qui allait réaliser des milliers d'affiches et de tracts. Venait ensuite le décès de la gave, que vous connaissez bien désormais. Puis apparaissait la page par laquelle je conclus mes propos sur Je n'en ai pas mort expliquant notre titre et mettant en évidence les deux autres réalisations précédentes. De quelque envergure. Sur une autre page, j'avais rassemblé des échos de presse et un descriptive rapide du diaporama. Mais vous le voyez, le résultat était peu satisfaisant. Je confie alors à Nicolas Puzona, un de mes élèves nivernais de 5e, les mêmes objectifs. Son dessin fut aussitôt utilisé et le sera jusqu'à la fin de la diffusion, avec quelques changements seulement dans les extraits de presse. Dans ce livret, suivi un descriptif de notre diaporama. Pour vous en simplifier la lecture, je l'ai divisé en deux. Le pourquoi allait être condensé et repris à la page 2 de nos programmes. Et le comment, repris en page 3, servira également à de nombreux journalistes. Ce pourquoi et ce comment avaient été concoctés par Gilbert Ioni et Juliane Richaud, déjà cités. Les deux réalisateurs les plus calés sur Brel. Ce livret publicitaire contenait enfin l'intégrale, photo comprise, des principaux articles de presse que vous avez déjà vus. Si une bonne partie des lieux pour la tournée d'été 88 était déjà trouvés, il n'était pas de même pour les deux séances de lancement à Paris. Après Maintes Recherches, je trouve dans le troisième le théâtre Jazés, où se produisait le soir Laurence Semonin, avec sa Madeleine Proust, théâtre qui n'allait pas tarder à accueillir Léo Ferré pour sa tournée d'adieu. Pour faire une première, c'était donc un théâtre de référence en plein cœur de Paris. Et le prix de la location, pour une séance l'après-midi, était abordable, 750 euros, avec une capacité d'accueil au-delà de nos espérances. Le même jour, nous devions également faire une autre première, en soirée, dans la salle Maurice Ravel du centre international de séjour parisien, mélange d'auberge de jeunesse et de centre de conférences. Il fut convenu que chacun des dix jours d'utilisation, à raison de trois séances par jour, nous verserions 750 euros également. Ces deux salles étant trouvées, je m'emploie à faire tirer les 20 000 dépliants pour les dix jours de février 88. L'extérieur, avec notre nouvelle mouture, et à l'intérieur tous les renseignements pratiques que j'avais patiemment accumulés avec autant de patience et de soirées tardives je compulsais les annuaires de Paris et banlieue afin de lancer des invitations pour nos deux premières en décembre je n'ai pas retrouvé la lettre type envoyée à cette occasion mais elle devait être sans doute semblable à celle que j'avais adressée à mes collègues lors de mon arrivée dans la Nièvre. Vous avez peut-être remarqué que j'utilisais à tort le mot canadien de visionnement au lieu de visionnage, comme je l'ai appris trente ans plus tard. Cette lettre fut adressée d'abord à tous les réalisateurs et autres amis de Gap et d'ailleurs. Outre le dossier de presse présenté plus haut, elle contenait quelques exemplaires du tract parisien et bien sûr des invitations gratuites, toujours manuscrites se mêlent dans la liste des organismes dont j'ai oublié les identités réelles. D'autres invitations furent adressées à des comités d'entreprise, des centres de documentation et bien sûr des bibliothèques. Ceux qui répondirent en plus grand nombre vers des lycées et autres lieux scolaires. Parmi les 60 lettres envoyées aux différents médias, nous n'avons eu qu'un seul écho, mais ô combien réconfortant, publié dans l'hebdomadaire « La Vie » et annonçant nos journées au théâtre Ravel et notre tournée d'été. Un autre écho, non moins élogieux, nous fut adressé par M. Farge, un des responsables du prestigieux Centre national de documentation pédagogique de Paris. Vous constatez que la grille d'évaluation, utilisable en cas d'une éventuelle présentation à venir dans des établissements scolaires, était très encourageante, et le début de la conclusion allait bientôt paraître dans nos futurs tracts. René Meffredi, plus que jamais ce jour-là mon alter ego diaporamiste, était venu exprès de Gap à Nevers pour ces deux premières. Dès la fin de la première au déjasé, Laurence Semonin jouant le soir, je vous l'ai dit, il nous fallut rapidement ranger tout notre matériel dans le fourgon de location pour aller nous installer au théâtre Ravel. La journée est tellement stressante qu'à l'arrivée de la nouvelle salle de projection, je me rends compte j'ai oublié dans les hangars du déjàzé le sac qui contenait les 380 diapos du spectacle, sac auquel je tenais comme la prunelle de mes yeux. Une amie parisienne qui nous accompagnait fut un rapide aller-retour en métro pour nous le ramener. J'ai complètement oublié quelle fut la fréquentation du public pour ces deux séances, mais je n'ai pas oublié qu'elles nous valurent à René et à moi 24 heures de présence non-stop, du mercredi 5 heures du matin, au lendemain, cinq heures. Mais, dès la première soirée au théâtre Ravel, le livre d'or nous récompensa largement pour cette folle journée et d'autres qui suivirent pour préparer les journées de février. Paris n'étant pas Lyon, mon affichage sauvage était de peu d'effet. Si en un week-end j'avais habillé toutes les entrées de Lyon, à Paris j'arrivais à peine à habiller deux ou trois portes, Aussitôt recouverte d'affiches la semaine suivante. Je faisais les trajets ne vers Paris le week-end avec la voiture d'une amie et collègue, Monique Cordero, à qui j'avais permis en 84 de finaliser un diaporama sur la Grèce dont je vous reparlerai. Avec un couple de gars pensés, Annette et Jean-Yves Comte, Jean-Yves avait participé à la réalisation et nous étions très liés par le football notamment. Monique fut une auxiliaire précieuse pour les dix journées parisiennes. En plus de l'affichage, forcément sauvage, je profitais de ces week-ends pour distribuer autant de tracts que je pouvais, et la distribution fut encore plus complète dans le métro, les matins de mes journées parisiennes. Reprenant en temps bandoulière l'UR que vous connaissez, j'égayais les rames avec des chansons de Brel. Le deuxième jour parisien, une mention du livre d'or me fit regretter de n'avoir pas suivi mon idée de payer des quarts de page de publicité dans les incontournables, officiels des spectacles ou le défunt Pariscope. Mais, alors que dix petites lignes y étaient gratuites, le moindre pavé valait 350 euros. Ayant mis dans l'opération toutes mes économies, je ne voulais pour rien au monde emprunter les sommes nécessaires. Je restais ainsi totalement libre de mes mouvements pour la suite des diffusions et je ne devais rien à personne. À la fin des dix pages de remerciements et de félicitations, pour ces séances parisiennes, j'ai relevé tout de même ce bémol, lu et approuvé deux fois. Mais il m'en fallait plus pour ne pas poursuivre dans ce projet de célébration du dixième anniversaire, d'autant qu'une bonne partie du travail de préparation avait été fait pendant l'été. J'avais fait imprimer de nouveaux tracts, comportant évidemment les échos recueillis à Paris. Les pages intérieures comportaient les vingt soirées prévues, y compris les deux séances privées à la maison d'arrêt d'Avignon, offertes gracieusement par la GAVE, l'aumônier étant mon ancien prof de philo. Pour établir ces tableaux de soirée, le déroulement a toujours été le même. N'ayant plus d'exemple de convention de cette tournée 88, je vais prendre pour exemple une convention qui a été faite après et suite à cette tournée d'été 88, puisque les responsables nous avaient découvert grâce à un tract trouvé à Orsier-Merlette, près de Gap. Comme le mentionne la page 2 de la convention, j'ai envoyé des photos du montage et trois rédactionnels avec dossier de presse, le même que j'ai décrit plus haut. La seule différence ici, c'est que le tract dont il est question est celui qui a été imprimé après la tournée et dont vous avez déjà vu le verso. Le recto se présentait ainsi dans son ultime mouture. Et voici copie d'un de nos rédactionnels le même que Gilbert avait conçu lors de la création gapancaise au palace en mars 81. Pour cette tournée d'été 88, l'association Baudouin et compagnie, qui nous avait accueillis lors de cette création au palace, nous réserva cette soirée pour tous les cinémas de la région qu'elle gérait. La troisième page de la convention, en plus de renseignements pratiques, mentionne le solde à verser à la gave le soir de la représentation. La fiche technique Jointe à cette convention vous servira de récapitulatif pour tous les appareils présentés plus haut et justifiera les compensations financières demandées pour chaque projection. Sur cette quatrième et dernière page du contrat, je voudrais attirer votre attention sur deux points. Premièrement, le versement d'art. Deuxièmement, la signature de la nouvelle secrétaire de la Gave. Des réceptions de cette convention et du versement des arts J'envoyais en effet le reçu correspondant. Celui que vous avez sous les yeux indique le point extrême ouest de notre diffusion dans le Maine-et-Loire pour les congés de Toussaint 88. Quant à Josiane Richaud, la secrétaire qui m'avait remplacé après mon départ de Gap, c'était, je le répète, une des deux personnes les plus calées sur Brel lorsque nous avons entamé la réalisation. Et c'est elle qui, avec Gilbert, avait conçu le plan du montage resté inchangé et figurant dans le programme dont vous avez déjà vu les quatre autres pages. À réception de la Convention et des Arts, j'envoyais au ou à la responsable, en plus des affiches horizontales et verticales déjà vues, des tracts personnalisés. En effet, j'avais fait imprimer pour chaque lieu des tracts différents avec un négatif blanc sur vert le lieu du spectacle. Début juillet 88. Je louais encore un fourgon chez Avis, mieux adapté à nos besoins, pour un mois et demi de tournée, jusqu'au final à Gap, où le diaporama avait connu les débuts de sa création huit ans avant. Remarquez au-dessus du fameux sac contenant les diapos, un haut-parleur branché sur la batterie, car, encore une fois, comme les cirques, durant la tournée, je passais des annonces dans les villes, villages et autres campings. Comme je l'avais déjà fait lors de la tournée 81, Puisque j'ai retrouvé l'autorisation préfectorale des Hautes-Alpes, je l'avais fait pour cette tournée et j'ai dû recevoir la même pour cet été 88. J'ai au moins retrouvé la lettre circulaire ici pour les Bouches du Rhône afin d'obtenir la même autorisation en 88. J'ai fait appel pour m'aider dans cette tournée anniversaire, à défaut des autres réalisateurs, sauf René qui fut présent quand il le fallait, d'abord à mon fils Florian et à sa copine. Après un démarrage à bagnoles le 7 juillet dans le Gard, nous étions le 8 à l'île sur sorgue dans le Vaucluse, où le spectacle reçoit un très bon accueil. Quinze jours plus tard, grâce au fléchage conséquent de l'association des jeunes de Baratier, nous avons retrouvé sans difficulté le 23 juillet le champ en forme d'amphithéâtre où ces jeunes nous avaient accueillis dix ans avant pour notre spectacle sur Woodstock. Pour que vous puissiez mesurer la magie qui allait opérer ce soir-là, il faut que je vous donne quelques renseignements techniques. Une bulle à niveau, en métal rouge, que vous entrevoyez devant les projecteurs, nous permettait d'assurer une parfaite horizontalité, au millimètre près, de notre table de projection, présentée plus haut, grâce aux cônes métalliques réglables qui se vissaient à l'extrémité des pistes télescopiques. Ces cônes épousaient des patins en caoutchouc qui leur permettaient de ne pas s'enfoncer dans le sol en plein air ou de glisser sur le revêtement d'une salle. Grâce à nos objectifs de 210 mm, cette table était installée à 35 mètres d'écran, de, de 4 mètres par 6, vous vous rappelez, écran bien fixé sur le plateau d'une longue remorque agricole et dûment au banné. De ce fait, tous les spectateurs étaient installés dans l'herbe entre l'écran et la table, donc ils ne me voyaient pas. Et la sono, de part et d'autre de l'écran, avait toute l'attitude pour faire éclater la voix de Brel. Or, ce soir-là, un orage menaçant, la nuit fut parfaitement noire durant tout le diaporama, et notre écran, semblant dressé sans aucune attache, les images, comme suspendues dans le vide, défilaient comme par magie, magie, à la hauteur de l'immense artiste, chanteur et comédien, honoré ce soir-là. Selon les estimations des organisateurs qui offraient ce spectacle, pas loin de mille personnes vécurent cette magie. Le vendredi suivant, à Aubenas, dans l'Ardèche, mon neveu, l'électricien, et son copain Philippe étaient mes nouveaux auxiliaires pour la tournée. J'avais laissé mon neveu caler la bande de son sur le Revox pour lancer le diaporama, mais je dus me rabattre sur la cassette de secours, toujours prête à l'emploi. L'incident passa inaperçu si l'on se réfère au Livre d'Or et à l'écho du journal local. Après la tournée parisienne et cette tournée d'été dans sept départements différents, lorsque la société Bonoy et compagnie me régla le solde de toutes les séances retenues, malgré la fatigue accumulée, j'eus le plaisir de constater qu'avec ce diaporama, cette folie étalée sur une année avait abouti à une opération blanche, conformément au statut des associations de loi 1901 à but non lucratif, tel la GAVE. Je n'aurais encore quelques contrats, comme celui de Varennes-Voselle, où j'avais atterri depuis mon départ de Gap. En 2008, à l'occasion du 30e anniversaire, je fis encore des propositions et je fus accueilli dans un coup lieu proche de Rodessin où j'avais pris ma retraite. Et la dernière page du livre d'or montre que le public était toujours satisfait de ce diaporama sur Brel. Mais, vous en avez désormais conscience, étant donné la masse du matériel à déplacer et à installer, comme je n'avais plus trente ans, je vous l'ai dit, il me fallut songer à une autre solution pour pérenniser ce diaporama. Solution que vous avez découverte avec les autres diaporamas, le transcodage en DVD, réalisé toujours par la même entreprise nimoise. J'avais conçu la maquette de la jaquette de ce DVD. En intégrant, bien sûr, des échos de presse recueillis lors du festival de 2006 ou lors de la tournée 88. L'impression de cette jaquette et la gravure du double DVD furent splendidement réalisés par Seven Productions, Avenue Fleming Anime, comme pour les DVD des autres diaporamas. Les frais furent couverts par le reliquat des projections et ce double DVD put être offert aux réalisateurs et aux autres membres de la GAVE et deux exemplaires furent envoyés à la Fondation Brel. Depuis sa venue à Nyons en 1981, je n'avais cessé de rester en contact épistolaire avec France Brel, notamment lors de cette tournée 88 pour laquelle elle nous félicitait, et je lui annonçais la voix d'une cassette VHS de notre diaporama. Elle accusa réception de cette cassette et nous remercia encore une fois. Cette copie VHS n'étant pas de bonne qualité, je jugeai plus intéressante toutes les interviews que j'avais faites à Imonuer en France et en Belgique durant l'été 1980. En 1993, mettant un peu d'or dans nos archives, je retrouve ces interviews, et je décide donc de les envoyer à la Fondation Brel. Et France me remercia pour ces sortes de micro-trottoirs, par lesquels je recevais sans filtre l'opinion de monsieur tout le monde sur Brel. Moi même, je vous l'ai dit, je le connaissais si peu au départ de notre travail sur lui, que j'appris seulement lors de ma première interview qu'il était belge. Le dernier courrier date de 2018, en réponse à ma demande de mettre sur Youtube notre diaporama. Mais en vain, à ma grande déception, car la Fondation n'était pas la seule concernée pour les autorisations nécessaires. De ce fait, comme pour Woodstock et la chanson engagée, si vous m'envoyez un message, je vous donnerai la clé pour télécharger, dans un but privé, ce diaporama. Toutefois, si vous me contactez, il est toujours prêt à être diffusé publiquement pour faire encore entrer en de brel collectivement, comme il a failli l'être le 21 mars 2020. Comme vous le savez désormais, mais il m'est difficile d'éviter certaines répétitions. À la rentrée scolaire 81-82, pour suivre mes enfants, je vais émigrer dans le centre de la France, près de Nevers. Mais Nevers, à une heure de Bourges en voiture à l'ouest, et en train, à deux heures de Paris au nord, n'était pas un désert culturel, comme l'était Gap dans les années 70. Mais il ne l'est plus, loin de là. Et la création de diaporama allait s'en ressentir. Je n'ai pas voulu rompre la continuité de mon récit dans la présentation du diaporama sur Brel, mais il nous faut maintenant revenir en arrière. Je suis donc prof désormais au collège Henri Valon de varennes voselle qui jouxte Nevers. Et je vais continuer, avec des collégiens donc, mais aussi avec des collègues, à réaliser des diaporamas. Je vous ai déjà annoncé le diaporama de Monique Cordero, ma collègue helléniste. En triant, parmi toutes ces photos ramenées de ses multiples voyages en Grèce, nous avons réalisé grèce terre des hommes et des dieux diaporama pour la présentation duquel jean philippe D'Arini, un autre de mes élèves de cinquième avait créé un superbe dessin avec ce simple feuillet en guise de programme ce diaporama fut régulièrement projeté par monique dans son collège du courlis à nevers et par moi-même à varennes vosel avant de revenir plus longuement sur les autres diaporamas de mes débuts dans la Nièvre, autour du Carnaval et Morales, le maître de l'acier, il faut que je vous signale que je n'étais plus seulement prof de français comme à gap, mais aussi prof de latin. Discipline dont mes chers collègues gapencaises m'avaient gentiment écarté pendant onze ans. Or, je me trouvais désormais au cœur d'une région dont le passé gallo-romain était de première importance. Nevers est au départ une ancienne place forte de la tribu gauloise des Éduens, dont la capitale, à l'époque de la conquête des Gaules, est Bibracte, plus à l'est, non loin d'Alésia, que vous connaissez mieux. Éduens se disait en latin aidui Et l'actuel Autun, anciennement Augusto du Nôme, devenu, au lendemain de cette conquête, la nouvelle capitale des Éduens, était riche en vestiges. D'autre part, Beaune, plus à l'est, était alors connu pour son archéodrome, riche de superbes reconstitutions gallo-romaines. Étant donné la relative proximité de ces deux villes, je persuade mes collègues de langues anciennes d'y amener une bonne partie de nos élèves pour qu'ils y découvrent comme moi ces trésors. L'année suivante, en 1983, je prépare, à l'intention du même public, un fabuleux voyage en gaule narbonnaise et, comme le journal du Centre avait apprécié photo et article l'année précédente, il me confie une pellicule noire et blanc de 12 poses pour faire une photo à l'arrivée des voyageurs et l'article correspondant. Et le diaporamiste allait devenir le reporter photographe attitré de bien d'autres voyages scolaires. Mais je confiais parfois la rédaction de l'article aux élèves eux-mêmes, comme ici, lors de la venue à Nîmes dix ans plus tard. Les élèves latinistes ne furent pas les seuls à profiter de ces voyages, tels mes élèves de CPPN et CPA, classe de préapprentissage, souvent en grande difficulté, que j'ai amenés à Paris, notamment. Et Varennes-Vauzelle, étant une cité à majorité cheminote, bon nombre de ses élèves ne payaient pas le train. Les dépenses restantes furent épongées par une séance du diaporama sur Brel à l'intérieur du collège. Enseignant un an à Nevers, au collège des Courlis, en attendant d'être titulaire de mon poste à Varennes-Vosel, la proximité de Paris me donne la folle idée, encore une, d'y emmener tous les élèves de quatrième, soit 150 élèves. Je convainc sept collègues de toute discipline pour les y accompagner. Chaque élève avait sa feuille de route, comme celle que vous avez sous les yeux, avec évidemment des variantes de programme selon les groupes. Chacun des 150 collégiens trouva donc à se nourrir dans cette journée bien remplie. Et en fin d'année, pour la journée portes ouvertes, joignant leurs photos aux miennes, ces élèves furent une expo et certains un court diaporama de 15 minutes dont il ne me reste que le titre. Allô Paris Papa rit. Et pendant mes 20 années nivernaises, j'organisais chaque année un voyage pour chacune de mes 3 ou 4 classes. Ces sorties étaient si nombreuses qu'un de mes inspecteurs régionaux à Dijon me demanda pendant deux ou trois ans d'assurer quelques heures de formation pour de futurs enseignants sur le thème des sorties scolaires. En dépit de cette longue liste de voyages, n'allez pas vous imaginer que j'en oubliais les diaporamas et autres expos avec mes élèves. Je dois vous préciser comment ont pu se réaliser ces diaporamas et où expositions. Quand il le fallait, je me faisais prêter par la Fédération des œuvres laïques un lot de cosmiques symboles, appareils russes d'utilisation très simple pour un rendu fort correct. Avec ce type d'appareil, mes élèves de 5e J, dans le cadre d'enquêtes reportages autour du collège, réalisèrent 10 reportages sur les métiers, tandis que mes élèves de CPA s'étaient intéressés à la fabrication du journal du centre. Et Jean-Philippe Darigny, déjà cité, avait encore réalisé cette superbe affichette pour annoncer l'expo sur laquelle avaient débouché leurs enquêtes et reportages. Quant aux élèves de langues anciennes, ils et elles avaient aussi participé à ce projet d'action éducative en préparant des panneaux sur les métiers liés au spectacle dans l'Antiquité romaine. Tous ces travaux, autour des métiers, furent exposés avec succès à la Bibliothèque municipale de Nevers pendant près de deux mois. À l'occasion de cette expo, sur présenter des tirages sur papier auxquels j'avais initié mes élèves de 5e et ceux de CPA, comme j'avais été moi-même initié par le Centre culturel français de CASA. En suivant le mode d'emploi que j'avais rédigé, pour mes élèves notamment, vous devriez pouvoir suivre le déroulement du tirage et de l'agrandissement d'un négatif. Pour le développement du film, j'ai enclenché un film fictif dans le cylindre noir qui viendrait prendre place dans le boîtier noir également je dis film fictif, car cette opération que j'assumais moi-même est la seule qui doit être réalisée dans le noir le plus complet. Par contre, pour le tirage sur papier, on peut utiliser en partie une lumière normale. Elle vous permet de voir le matériel que j'avais acheté à Casablanca et avec lequel j'ai fait des milliers de tirages noirs et blancs. Je l'ai réinstallé intégralement dans ma cuisine pour les besoins de la photo. Une fois que le négatif voulu est exposée dans l'agrandisseur, on travaille alors avec une lampe dite inactinique car elle n'a pas d'action sur le papier photo vierge et on peut agrandir ses négatifs selon la dimension du papier choisi. Les séances d'initiation se sont faites hors cours pour les 5 et durant les cours pour les CPA. Par ce genre d'exposition, nous apportions notre modeste contribution à la vie culturelle de Nevers. Et ce n'est pas sans peine que j'ai pu faire programmer au théâtre municipal les diaporamas sur Baudelaire et sur Brel. Toutefois, ce petit théâtre, comme on l'appelait à l'italienne, venait d'être entièrement rénové, et c'est avec la bande de son du diaporama sur Brel que j'ai aidé les responsables à régler leurs nouvelles sonos. Et par la suite, j'ai souvent amené des élèves dans ce petit théâtre pour des spectacles et autres expositions, tout autant qu'à la Maison de la Culture, construite en bord de Loire. Cet immense bâtiment moderne, outre concerts, théâtres et films, accueillait aussi des expositions. Et je voudrais attirer un peu votre attention sur l'exposition Les étonnants, l'art hors les normes, qui resta quatre mois, de novembre 93 à février 94. J'ai ainsi le temps, après l'inauguration, de mener à bien un projet pédagogique pour mes deux classes, troisième quatre et troisième six, soit une cinquantaine d'élèves à qui j'enseignais le français et j'allais leur faire découvrir les bienfaits des diapositives. Vous avez sous les yeux le déroulement chronologique de ce projet dont je vais illustrer les grandes lignes. Comme vous avez pu le lire dans ce plan, après avoir soumis le projet à mes deux classes, je prends, dans leur manuel de français, en guise de sujet de lecture expliquée, le texte de Michel Ragon, que vous avez sous les yeux, à propos de la fabuloserie. Je vous ai scanné le texte tel qu'il est resté depuis décembre 1993. Ce texte est fondamental pour comprendre cette exposition sur les étonnants ou l'art hors les normes, appelé aussi parfois art brusque ou art singulier, dont les deux éléments clés sont les suivants. Premièrement, les artistes sont des gens simples, à marge de l'histoire de l'art. Deuxièmement, leurs œuvres sont essentiellement réalisées à partir de matériaux de récupération. Dans le même annuel de troisième, une belle illustration attirait l'attention sur la fabuloserie, nom d'un musée à Dici, dans l'Yonne, donc proche de Nevers, d'où provenaient bon nombre d'œuvres exposées. À la veille de Noël, j'avais accompagné chacune de mes classes voir les œuvres peintes, gravées, sculptées ou tissées des quelques vingt artistes exposés, demandant seulement aux élèves de noter le titre de deux œuvres qui les avaient Particulièrement intéressé. Je suis revenu seul, revoir l'expo avant Noël, pour localiser dans la maison de la culture les œuvres choisies et pour les reproduire en diapos. À la rentrée, je distribue à chaque élève l'inventaire des œuvres choisies par sa classe, œuvres repérées sur des plans, assez sommaires, vous le voyez. Puis, je visionne, pour chacune des classes, les 45 diapos réalisés, avant de leur demander, pour leur composition de française numéro 7, d'écrire à l'un des artistes ou aux organisateurs de l'expo. Pendant trois semaines, les élèves eurent à leur disposition au CDI le classeur contenant les 45 diapos projetés, numérotées et répartis par artiste avec des extraits du catalogue de l'expo. Sur une petite visionneuse portable, les élèves pouvaient, autant qu'ils le voulaient, revoir en diapo l'œuvre choisie. Les diapos n'avaient pas alors un intérêt spectaculaire, mais seulement documentaire et pédagogique. Le 10 février 1994, à la remise des compositions françaises, celles qui portaient la mention ANPE, à ne pas envoyer, restèrent à Vosel. Les autres partirent aux quatre coins de la France, et pour chacun, chacune des destinataires, j'avais moi-même écrit une lettre d'accompagnement des devoirs correspondants. Les artistes répondirent avec plaisir à ces courriers et souvent joignirent des reproductions d'une de leurs œuvres pour remercier l'élève. Voici quelques traces de ces échanges épistolaires. Jean PC, spécialiste des assemblages en bois, peint ou non, m'avait aussi intéressé par la qualité et l'humour des textes inscrits dans ses sculptures, tel cet extrait de sa sculpture intitulée Fumée, dont j'avais fait ce gros plan. Voici d'abord ma propre lettre pour prendre contact et lui envoyer quatre copies. J'avais réussi à lui envoyer finalement le devoir de Yannick Auger, mais. La photocopie de ce devoir se en mal, je vais vous en lire le texte intégral portant sur la sculpture intitulée Le Sadique. A partir de le diapo dont disposait Yannick, je viens de rajouter quelques gros plans qui n'existaient pas en 1994 et dont la netteté laisse à désirer. Veuillez m'en excuser. Lettre de Yannick à PC, on se souviendra que c'est un collégien de 3e qui l'a écrite, donc 14 à 15 ans en 1994. Cher P.C. Jeannot, j'aimerais vous faire part de mes impressions sur vos œuvres et particulièrement sur le sadique qui, je dois dire, m'a d'abord interloqué, puis m'a fait sourire. Mais, après une approche détaillée et une lecture attentive des textes, m'a étonné. Comment pouvait-on donner au texte une telle magie pour en décrire le sens d'une structure Le vendredi après-midi, notre professeur de français nous amenait à la maison de la culture de Nevers pour y voir quelques exemples de l'art hors norme. Nous devions nous intéresser à une œuvre qui nous ferait aboutir à une rédaction. Comme vous avez dû le comprendre, ce sont vos œuvres qui m'ont séduit le plus. Tout d'abord, car j'adore ce qui est fait de bois. Puis, parce que vos textes amènent à réfléchir. C'est donc le sadique que j'ai choisi pour représenter toutes vos œuvres. Cette sculpture, d'environ 100 sur 50 cm, un bois peint, qui je dois dire représente parfaitement le sadique, m'a étonné. Ce personnage emprisonné, dans le sexe démesuré, entoure une jeune fille, me fit voir comment l'on pouvait justifier le sens d'un mot à l'aide d'une sculpture. Puis, je me suis intéressé au texte que je n'ai peut-être pas bien compris. Saisi du désespoir, à ciel ouvert, quand le désir a des jambes, le caleçon est cul de jatte. Je pense que vous avez voulu dire que le sadique désespéré est prêt à tout, même qu'elles sont baissées, pour accomplir son désir. Il y avait aussi, il exploite, blesse et humilie. Je crois avoir reconnu le viol. Enfin, il y avait celui-ci, que je n'ai d'ailleurs pas tout compris. De sa prison mentale, il harponne sa différence pour en faire une partie de lui-même, pour ne pas avoir maîtrisé le temps, et échapper à sa solitude. Sa prison mentale doit représenter le rejet d'un homme comme lui qui ne peut attendre pour accomplir son désir qui se fait à deux. J'espère ne pas avoir trop écorché le sens de vos textes et vous faire part de mon admiration pour ce que vous faites en vous envoyant un grand et sincère bravo. Mes salutations les plus sincères. Yannick Auger, 3 six, Collège Henri Vallon Voici maintenant... Les deux pages de réponse de Jeannot PC. Et en prime, ce superbe dessin original joint à la lettre. Spécialiste de la tapisserie, Marie-Rose Lorté devait exposer ses œuvres quelques mois plus tard à Aubusson, célèbre dans le monde entier avec ses tapisseries des Gobelins. Et j'avais profité de l'occasion pour la rencontrer. Et voir d'autres de ces tapisseries. Dans la lettre que vous avez sous les yeux, elle expliquait à l'une des trois élèves dont je lui avais adressé les devoirs un autre aspect de ses capacités de plasticienne. Elle joignit à ses réponses une reproduction d'une de ses arborescentes arabesques, lointaine descendante du fameux fil de la mythique Ariane. J'avais déjà rencontré Simone Le comme je l'explique au début de ma lettre. Et je ne fus pas étonné que le quart de mes élèves ait choisi ses œuvres, mais quatre seulement lui adressèrent une lettre. Simone Le Carré-Gallimard était une champagne de la récupération des canettes, boutons et autres capsules de bouteilles. Et je m'en suis encore plus rendu compte. Quand je suis allé la voir chez elle à Paris, suite à nos échanges épistolaires, où elle me gratifia toujours de magnifiques dessins originaux. Curieusement, je n'ai aucune trace des assemblages d'Eddie Bonnel, qui reçut pourtant le plus grand nombre de devoirs, 7 sur 50. Mais, allant le retrouver dans son atelier à Basole, au bord du canal du Nivernais, je lui achetais cette composition de 20 par 30. Quand vous voyez ce qu'il a fait avec des pièces d'horlogerie, vous pouvez imaginer tout ce qu'il pouvait créer à partir de nos déchets en plastique. Je suis également allé voir à Marseille Pascal Verbena, à qui j'avais envoyé cinq devoirs. À partir de bois flotté ramassé sur la plage, il composait de véritables mosaïques ou des meubles avec lesquels on pouvait jouer en actionnant des manettes. Et j'ai passé. Une après-midi merveilleuse, l'écoutant me parler de son travail d'artiste. Pour en savoir plus et voir d'autres chefs-d'œuvre, si vous ne pouvez vous rendre à Lyon à la Fabuloserie, deux solutions. Premièrement, en entrant Fabuloserie ou le nom d'un des artistes que je viens de vous présenter, vous avez sur la toile, en cliquant sur images »,« d'autres reproductions et parfois des vidéos. Deuxièmement, en consultant l'ouvrage de Laurent Danchin, consacré à l'art brut, numéro 500 de la collection Découverte Gallimard, source de la présente illustration. C'est en effet grâce à Laurent, aujourd'hui disparu, encore un, que j'avais été mis sur la piste de l'art hors les normes au moment où je faisais des démarches à Paris pour le sculpteur Raymond Morales. C'est dans le cadre de cet expo sur les étonnants que j'ai découvert un autre Raymond, Raymond Reynaud, peintre et sculpteur à Sénas, Raymond n'avait pas été choisi par les élèves, mais ses œuvres avaient de quoi me parler, qu'elles soient figuratives, avec cette évocation de Jean de Florette, ou qu'elles soient abstraites, avec un sens incroyable de la couleur ou de la composition. J'avais rajouté, dans les œuvres des artistes exposés à Nevers, des reproductions des œuvres de Raymond Morales, sculpteur sur acier, où nous avions trouvé, vous vous en souvenez, l'illustration des bigotes qui me l'avait fait découvrir. Et je vous soumets l'essentiel de la lettre que lui avait envoyée une élève, suivie des deux sculptures citées dans cette lettre, les deux œuvres se faisant écho La bourgeoisie et la plèbe, sculpture haute de 4 mètres, et Le révolté, d'un mètre vingt sur cinquante de large. Je revins très souvent dans le parc exposition de Morales, parc devenu ensuite musée, et je stockais quantité de diapos. Si bien que j'en fis un diaporama, dans l'espoir de le diffuser pour que Morales soit enfin reconnu, car connu il l'était. Ce diaporama intitulé Morales, le maître de l'acier, intéressa vivement la cinquantaine de personnes venues chez moi en deux séances consécutives, mais il ne fut pas du goût de l'artiste et de son épouse. J'avais en effet adopté un plan chronologique, des débuts de l'artiste, simple chaudronnier qui détournait habilement des matériaux de récupération jusqu'à ces sculptures monumentales, quatre mètres de haut, complètement maîtrisées, alignées ici, sur quinze mètres, au moins. J'abandonne donc la diffusion de ce diaporama, et comme j'étais descendu un jour exprès de Nevers chez Raymond, pour une série de clichés en noir et blanc, je choisis les meilleurs et, au nom de la gave, toujours dans le même but, je réalise un album de vingt pages, quarante par trente, à présenter à d'éventuelles mécènes. Pour mon usage personnel, après avoir fait mon choix dans mes quelques 250 diapos, je les fais tirer sur papier couleur et je réalise un album beaucoup plus volumineux, 100 pages, témoin de mes 5 années de fréquentation régulière de cet artiste. Comme j'avais prêté cet album à une jeune cinéaste qui prépare un film documentaire sur Morales, c'est elle qui m'a envoyé cette photo. Pour fêter l'an 2000, 14 sculptures monumentales de Morales Ayant été exposé à Port de Bouc, je viens pour l'inauguration, sachant que j'allais à coup sûr retrouver notamment l'enfantement cosmique, œuvre devant laquelle j'avais, longtemps avant, photographié l'artiste. Elle est à mes yeux son œuvre majeure, un vrai miracle d'équilibre. Avec ses quatre mètres par quatre, elle repose seulement sur la carapace de la tortue. Je l'avais déjà photographiée à sa sortie de la maternité. C'est ainsi. Que Raymond appelait son atelier. Elle resplendit ici, dans cette couleur rouille unique que personne ne le verrait plus, une fois passé le rustol, rouille précisément. À la sortie même de l'atelier, elle avait cette couleur acier, la matière qui la constitue. Et je me souviens, du jour de cette sortie, Raymond faisait avancer sa sculpture, centimètre par centimètre, grâce au rouleau de métal placé sous la plaque où repose la statue. J'utilise parfois des photos personnelles pour servir de jaquette à mes lectures du lundi postées sur audio -site .net. Ainsi, j'avais utilisé pour Fèdre une autre sculpture monumentale de Raymond, Thésée et le Minotaure. Pareillement, j'utilisais cet enfantement cosmique dont le gigantisme correspond très bien au gigantisme hugolien de la légende des siècles. Lorsqu'il avait créé cet enfantement cosmique, Raymond pour me remercier de toutes les démarches que je faisais pour le faire reconnaître, fit une main supplémentaire et me l'offrit. Imaginez-moi, avec cette main, haute de 80 cm et pesant 25 kg, dans le train ou dans le métro à Paris pour aller à la rencontre d'un mécène public ou privé. Mais, ben, revenons à l'aube de l'an 2000 à Port-de-Bouc. Disposant alors du caméscope de la gave, je réalise des images qui finiront ensuite en vidéo VHS, avec la bénédiction de Raymond et de son épouse. Ce premier contact avec le montage numérique allait m'ouvrir une nouvelle voie, d'autant que, quelques années plus tard, à l'occasion du leg de mon fonds Morales aux archives de Port-de-Bouc, j'ai appris à scanner et donc à numériser, avec l'appareil que vous avez vu fois, toutes mes diapos de Raymond, et, dans la foulée, j'avais scanné les 350 diapos du diaporama sur Woodstock. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1971, j'avais renoncé au principe de la multivision pour mon diaporama sur le Maroc. Mais, en 1984, un événement exceptionnel allait m'y ramener. Il fallait en effet que le maximum de participants à la semaine Lecture Carnaval, lancée par Patrick Millerat, le nouveau conseiller d'éducation, puisse se retrouver sur les écrans. Cette folle semaine Lecture Carnaval avait débuté le lundi. Par un défilé géant d'une chenille formée par les 950 collégiens, portant chacun à chaque bras un grand carton décoré. Ma classe de CPA, munie de cosmiques symboles, réalise à cette occasion une série de clichés en noir et blanc. C'est ainsi que vous me voyez au micro assuré avec Patrick Mira la mise en place de cette chenille avant qu'elle n'envahisse tout le collège. Puis, ses abords immédiats. Et enfin la ZAC attenante. Dès le mardi matin, notre CDI, transformé en librairie permanente, fut ouvert à tout public jusqu'au soir 19h. Parmi toutes les animations, j'ai retenu celle du vendredi, jour où dès le matin, tous ceux qu'il voulait pouvaient venir au collège déguisé. Ce jour-là, Jacqueline Blaise, collègue d'anglais qui faisait partie du trio organisateur, Mitraya, autant que Patrick et moi. En costume d'écolier, j'assure le bal organisé dans le gymnase avec le matériel de la gamme, le vendredi après-midi. Vous avez eu le temps au passage d'apprécier comme moi la qualité de certaines décorations de la chenille. Or, comme j'avais gardé les 450 diapos de la multivision, présentées en plusieurs séances à la fin de l'année à tout le collège, en 2019, avec un ami, Elie de Rosso, nous sélectionnons les plus intéressantes hors contexte, puis nous testons avec le système que vous connaissez bien les possibilités de fondu enchaîné. Avec des diapos ainsi retenues et numérisées, accompagnées d'un bref commentaire et en général des musiques repiquées sur la bande son originale de 1985, je réalise avec l'aide de Louis Salton mon premier diaporama numérique, puis Louis le grave en DVD, premier d'une série pour l'instant ininterrompu. J'envoie copie de ce DVD aux organisateurs, aux différents CDI et autres bibliothèques municipales concernées, et au journal du centre, qui lui accorda une belle place, en citant précisément les lieux où on pouvait emprunter ou visionner ce diaporama. Au cas où vous voudriez vous-même le visionner, sachez qu'à cause des comédiens d'Aznavour utilisés pour une séquence, YouTube l'a refusé. Vous pouvez toutefois le retrouver en m'envoyant un message à l'adresse figurant sur votre écran. Avec tout ce que vous venez de voir et d'entendre depuis 20 bonnes minutes, vous n'avez pas de mal à comprendre que ma liste de diaporama soit arrêtée en 1986, les journées nivernaises comme les françaises n'ayant que 24 heures. Mais deux autres raisons expliquent cet arrêt en 1986. Premièrement, j'avais établi cette liste lorsque je briguais un poste d'animateur au centre régional de documentation pédagogique de Montpellier. En dépit de, ou peut-être à cause, du volumineux dossier annexe, de tirer bon nombre de visuels du présent diaporama, je n'obtiens pas le poste. Deuxièmement, j'avais découvert au centre départemental de documentation pédagogique de Nevers des radiovisions, livrées contenant 16 diapos, en général accompagné de bandes de son, et j'en ai fait un très large usage. Pour mes élèves, comme pour moi, le diaporama était momentanément un objet de consommation et non plus un sujet de création. Ces radiovisions étaient éditées par l'Ofratem, devenu en 1976 le Centre national de documentation pédagogique, centre qui avait si bien accueilli à Paris notre diaporama sur Brel. Sur les 400 disponibles, J'en ai utilisé une bonne vingtaine, une ou plusieurs fois, car la diapo restait un des outils de base de mon enseignement, aussi bien pour mes cours de français que pour mes cours de latin. Celui que j'ai le plus utilisé, le fabuleux voyage d'Ulysse, présentait des extraits de l'Odyssée, dits par des comédiens professionnels et illustrés essentiellement par de magnifiques reproductions de vases grecs. Au lendemain de mon départ en retraite, en 2004, je reviens dans mon village natal, à Redescens. Ce village, aujourd'hui presque une ville, est au cœur d'un triangle. Les extrémités de ce triangle sont marquées par des villes dont la notoriété culturelle s'étend bien au-delà des hexagones Nîmes, Avignon et Arles, à la pointe nord de la Camargue. Durant cette période, quand je n'étais pas à droite ou à gauche pour diffuser l'un de nos diaporamas, j'avais donc du pain sur la planche. Et vous vous en souvenez, c'est au cours de cette période que j'avais organisé en 2006, après répétition générale chez moi, un diaporama par soir, la folle semaine du Festival de diaporama géant à Gap. Alors que j'étais en train de faire transcoder nos diaporamas en DVD, je fais la connaissance, lors du mariage de la fille de René Mefredi, de Louis Escoffier, un des responsables à Nîmes, de l'association de donneurs de voix. Désormais, libre de toute obligation, j'accepte immédiatement d'enregistrer des œuvres intégrales à l'intention des malvoyants. Avec cette grosse enveloppe plastique, j'envoyais l'œuvre enregistrée, gravée sur CD, et en retour, je recevais des CD vierges. Après avoir utilisé pour l'enregistrement le matériel de cette association, j'ai préféré m'équiper personnellement d'un lecteur-enregistreur numérique. C'est avec cet appareil que j'ai enregistré le commentaire qui accompagnait le diaporama sur Carnaval et les commentaires des diaporamas qui allaient s'enchaîner. Alors que je venais d'enregistrer l'intégrale de La Peste, je me souviens que j'avais découvert à Casa qu'il existait des versions raccourcies appelées découpages. L'enregistrement de ces découpages pourrait servir pour mes trois petits-enfants sur le point d'entrer au lycée. Je me décide alors de créer une anthologie sonore des grandes œuvres classiques et ou modernes étant donné le travail que me demandaient ces enregistrements je cherche sur la toile un point de chute pour les œuvres classiques telles les fables de la fontaine accueillies sur le site audiosite.net lieu de recherche de milliers d'internautes lorsque j'avais fait en mai 2018 une première capture d'écran pour cette œuvre le nombre de téléchargements était vous le voyez de 20 310. à ce jour les téléchargements ont doublé. Dans le cadre statutaire de la Gave, j'avais proposé des lectures publiques comme je l'ai toujours fait, en France et à l'étranger, Maroc, Grèce, Pologne, Russie, mais à la demande de la Bibliothèque Municipale de Villeneuve-les-Avignon, je me lance dans des lectures à l'attention des classes primaires et des maternelles. Je profite de ces programmes offerts à chaque élève, pour annoncer mes lectures et bien sûr nos diaporamas. Dans la foulée de ces lectures pour enfants, je présente un an plus tard, au prix d'un énorme travail de recherche, une lecture sur les jardins. Jugez par vous-même le choix des textes retenus. Cette reprise des lectures publiques me donna envie de multiplier l'expérience chez moi. Ainsi naquir, en janvier 2011, mes lectures du lundi. À plusieurs reprises déjà, vous avez constaté que ces lectures ont puisé dans des diaporamas antérieurs ou ont carrément été remplacées par des visionnages de diaporamas. C'est dans le cadre de ces lectures du lundi que, pour ma deux centième, j'ai choisi de présenter les chansons de Renault. Chacun des 50 participants reçut le programme qui est sur votre écran et, en page 4, un résumé de mes contacts avec Renault. Daniel Chevalier, un ami, vint de Sifour pour me filmer pendant la lecture. Mais, comme cette soirée se voulait être un hommage à Renaud, je lui ai demandé ensuite d'insérer dans son film quelques cent vingt illustrations, provenant déjà des pochettes, comme celles que vous voyez en pages 2 et 3 du programme distribué, mais d'autres illustrations que j'empruntais sur la toile, en référence soit à la vie du chanteur. soit au sujet abordé dans sa chanson. Il en sortit un produit hybride que je suis allé mettre au point avec Daniel Assifour avant de le graver sur DVD. Avec l'autorisation de Renaud, Louis Salton a posté sur DVD sur Youtube. Vous le retrouverez en entrant le lien affiché sur votre écran. C'est également dans ce même cadre des lectures du lundi qu'en février 2016, à deux reprises, j'avais proposé des extraits de chants général du poète chilien Pablo Neruda. Après la mise au point du DVD sur Renault, étant désormais mieux armé pour le montage numérique, j'entreprends un nouveau diaporama sur la première série de textes de ce chant général. J'avais découvert ce recueil de poèmes en 1974 avec le diaporama de Dominique Nurisso sur la résistance. Et je m'étais initié aux civilisations précolombiennes celle des Amérindiens avant l'arrivée de Colomb, lorsque j'avais aidé mon collègue pour son diaporama Mexique-Guatemala. Le programme de ce nouveau diaporama comporte une carte pour localiser les Amérindiens dans l'espace et un tableau pour les localiser dans le temps. En 1992, à l'occasion du cincentenaire de l'arrivée de Colomb en Amérique, le CNDP. Publia une nouvelle radiovision que je fis découvrir à de très nombreuses classes du collège. Radiovision passionnante, de 27 minutes avec 16 diapos, pour laquelle, sous forme de QCM, j'avais conçu ce résumé aide-mémoire à remplir par chaque élève participant. Le corrigé étant à leur disposition au CDI avec d'autres documents sur le sujet. Pour mes propres élèves, en effet, après avoir assemblé une dizaine d'ouvrages sur ces civilisations précolombiennes, j'en avais fait un modeste livret de dix pages intitulé conquise et Conquérants. Livret dont la moitié était consacrée aux aztèques, aux mayas et aux incas, qui nous sont les plus connus. Et j'ai distribué ce livret à chacun des cinquante élèves de troisième, leur laissant au CDI tous les livres où j'avais fait mon choix. J'avais donc déjà quantité de visuels à ma disposition mais je voulais faire percevoir dans mon diaporama toute l'étendue des richesses naturelles et des trésors artistiques de l'amérique dite latine parce qu'envahie et pillée par les portugais et les espagnols les fameux conquistadores je complétais donc ma documentation à la médiathèque de nîmes et surtout à la rubrique images de la toile à l'exception del condor Pasa, Lorsque Neruda évoque le Machu Picchu au Pérou et au-delà de l'incontournable amérindien Atualpa Yupanqui, je m'efforçais d'éviter de reprendre des morceaux de musique amérindienne trop souvent entendus et j'en découvris de remarquables sur YouTube. Je vous les conseille vivement. Vous avez ici si après copie des autres pages du programme pour plus de précision. Après le choix des textes, Les sources des illustrations. Le DVD, ainsi réalisé entre juin et septembre 2017, toujours avec l'aide de Louis Salton, a été posté par lui sur YouTube en 2018. Vous l'y retrouverez avec l'adresse déjà donnée plus haut qui s'affiche sur votre écran. C'est par un concours de circonstances étalé entre fin 2017 et 2018. Que j'en suis venu à créer un nouveau diaporama à propos du latin. Le congrès de latin vivant qui m'avait amené à l'université d'Avignon aurait été bien décevant si je n'y avais rencontré Odile d'Absens, une jeune collègue belge. Elle nous présenta en latin, qu'elle parle aussi couramment que le français, l'école, Scola Nova, l'école nouvelle, où elle enseigne non loin de Bruxelles, école où tous les cours sont dispensés en latin, sauf les cours de langue. A défaut de vous faire entendre cette collègue, comme je le fais dans le diaporama, j'ai fait trois captures d'écran du film de son intervention, désormais sous-titré. Je fis le voyage pour aller voir sur place cette scola Noa, à l'occasion de ces journées portes ouvertes, et toutes les personnes, adultes et enfants, que j'y ai rencontrées, me firent voir le latin. Sous un autre jour ô combien plus séduisant. Après avoir étudié le latin classique pendant 13 ans et l'avoir enseigné pendant plus de 20 ans, j'étais curieux de découvrir ce latin vivant. J'achète donc un exemplaire du latin sans peine dans la célèbre collection Assimil et je m'emploie très sérieusement à son étude. C'est dans ces conditions que j'entre en contact avec Quentin Uriel, le réalisateur de Nemosus, une web-série qui allait. Dès sa sortie, moissonner quantité de prix prestigieux au niveau international. L'histoire se passant, en partie sous Néron et en partie à Nîmes en 2018, Quentin me confie les 60 pages du scénario où j'ai surligné en vert ou en rouge les textes à traduire en latin. Non seulement j'en fis la traduction, mais ces traductions devant être dites par des acteurs qui ne connaissaient pas le latin, je leur transcrivis les textes. Selon la méthode utilisée dans assimile. Et, pour faciliter la tâche des comédiens, morceau par morceau, je leur fis des enregistrements audio. Je fis même répéter chez moi un après-midi Volessus, le personnage principal, et Néron pendant deux jours. Et tous ces travaux, faits dans l'urgence, traduction, transcription et enregistrement, étaient d'abord soumis à l'approbation de la spécialiste belge, titre D'Absens, avant d'être communiqué aux différents comédiens. Le dixième épisode de cette web-série, comportant un texte latin assez long, Quentin me le confia. Et, habillé en sénateur romain, je vins conseiller à Néron de mettre l'incendie de Rome sur le dos des chrétiens. J'avais assisté, les jours précédents, à d'autres étapes de la réalisation. Et j'avais discuté, avec de nombreux participants, acteurs ou techniciens, dont l'âge dépassait rarement la trentaine, de l'incroyable héritage linguistique et culturel laissé par les Romains. De ce fait, le sort du tournage où j'avais conseillé Néron, j'écris d'un seul j'ai une trentaine de pages, brouillons de lettres adressées aux autorités politiques, notamment européennes, pour que le latin redevienne la langue de l'Europe. Mais, après discussion avec des spécialistes de ce genre de démarche, je gardais ce titre seulement pour une bande-annonce réalisé avec deux voisins et amis, Annie et Guy Martin. En effet, au fil des réalisations du diaporama proprement dit, j'élargis mon sujet et, reprenant un titre de Dubélé au XVIe siècle, j'en fais une défense et illustration de langue latine. Je n'eus aucun mal à trouver sur la toile quelques 500 illustrations. Vous en verrez encore quelques autres dans les deux pages suivantes du programme, conçues en vue d'une éventuelle diffusion publique de ce nouveau diaporama. D'abord, le schéma de ma démonstration qui montre bien l'omniprésent du latin. Puis, les accompagnements musicaux. Le DVD final fut réalisé avec Louis Salton qui le posta sur YouTube où vous le verrez à l'adresse déjà indiquée. C'est également un concours de circonstances qui m'a fait entreprendre en 2019 un nouveau diaporama sur les pas du marquis de Baroncelli, l'année où on allait célébrer les 150 ans de sa naissance. J'ai passé toute ma carrière en dehors du monde de la bouvine, donc tout ce qui touche au taureau de Camargue, celui qui fait carrière pendant une douzaine d'années et n'hésite pas à quitter la piste dont il est le roi afin de poursuivre ses assaillants, les rasoteurs, tous de blanc vêtus. De ce fait, je me suis souvent employé à le faire distinguer de ses cousins espagnol et ou portugais, utilisés pour la corrida. Arrivé à la retraite, j'ai voulu dans ce but faire un film sur la course camargaise, et j'ai accumulé quantité de documents, photocopies et résumés de quelques 30 livres ou revues de quoi remplir le carton que vous voyez. Et, à toutes fins utiles, je vous ai dactylographié la liste de tous ces ouvrages. Mais, en 2011, quand j'entreprends ce film, Faute d'ordi personnel, je n'ai pu utiliser les séquences que j'avais sélectionnées dans la trentaine de DVD prêtés par Jean Roumajon, vidéaste confirmé. J'ai donc, dans la masse de documents accumulés, choisi vingt textes que j'ai présentés en mai 2011 dans le cadre de mes lectures du lundi. En janvier 2019, je reviens sur mon idée de film. Or, j'avais trois séquences, l'une sur un poème du marquis de Baroncelli, une autre sur son taureau vedette, le Provence, symbole de la pure race camargue à laquelle le marquis travailla toute sa vie. Et une autre séquence évoquait la mort de ce taureau d'exception, jalousé et tué par d'autres étalons, dont son fils Sangar. Début février, je découvre au festival taurin de Castry, dans l'Hérault, les deux livres admirables de Serge Migoul sur le marquis de Barancelli, contenant plus de 500 photos d'archives retravaillées. Comme il m'avoua que certains acheteurs lui demandaient parfois s'il n'en ferait pas un film, je lui propose mes services de diaporamiste. Suivent alors quatre mois de travail soutenu, à Clarensac, chez Serge d'abord, pour organiser ses diapos et tester les textes correspondants que j'écrivais. À redescendre ensuite pour construire le montage sur mon ordi avec l'aide toujours bienveillante de Louis Salton. Nous avons ainsi croisé nos connaissances et nos compétences, ajoutant à l'occasion une illustration ici ou là pour rendre encore plus solide l'édifice monumental que nous construisions autour de ce personnage exceptionnel qu'est le marquis pour aboutir sur mon téléviseur à une première projection réservée à une trentaine d'amis. Et j'avais conçu pour chaque participant un programme noir et blanc. Pour accentuer l'aspect documentaire de notre diaporama, j'avais convaincu Serge d'intégrer des bruitages, comme je l'avais fait pour d'autres diaporamas. Et j'avais stocké sur cassette la liste de ceux que vous voyez et dont l'équivalent se trouve sur YouTube. Sinon, je peux vous envoyer les fichiers correspondants. Mais il était un bruit, celui de la Sonaille d'un taureau appelé Simbao, qui sert de meneur du troupeau. Bruit absent de YouTube, mais bruit auquel je tenais absolument. De ce fait, armé de mon enregistreur numérique, je suis allé capter ce bruit dans une manade qui pâture près de redescend. La ronde des articles de presse allait recommencer et nous encourager à parfaire notre première mouture. Et, à la demande des premiers spectateurs, nous avons commencé par joindre une carte dans le diaporama, mais aussi dans le nouveau programme couleur réalisé par Louis Salton. Et comme ce diaporama se voulait une initiation au monde de la bouvine, le nouveau programme comportait un lexique pour les non-initiés. Avec ces nouveaux outils de communication, nous étions fin prêts pour présenter notre deuxième mouture revue et corrigée. En voici quelques traces d'un nouveau livre d'or ouvert pour ce diaporama. Tous ces encouragements me faisaient supposer que la projection suivante, prévue à Fourques, serait satisfaisante, et comme nous avions du temps avant cette projection, je demande d'abord à Louis une réflexion du trail d'information, car le premier, fait dans l'urgence, ne supportait pas les agrandissements pour une éventuelle affiche. J'apporte le résultat, dûment complété, le jour où, comme je le faisais pour le diaporama sur Brel, j'étais allé tester images et bande-son dans le fameux auditorium de Fourc. Comme pour le diaporama sur Brel également, je tins à personnaliser le diaporama sur le marquis. Et, avec l'aide de Louis, j'obtins ce type d'étiquette autocollante que le public trouva dans son programme. Lors de la projection, je vis enfin les photos de Serge remplir l'écran de 4 par 6 et la bande son à la hauteur de la qualité acoustique de cet auditorium. À la sortie de la projection, devant un public de spécialistes, notamment de personnes, Parentes avec des personnes citées ou montrées dans le diaporama les échos furent encourageants tout autant que les messages laissés sur le livre d'or dont celui de Gilles Dumas maire de Fourques et fin connaisseur du marquis et de la camargue malgré tous ces éloges j'avais constaté qu'à la camargue sous-titre de notre diaporama si elle était bien présente dans le diaporama pour les activités en dehors de la bovine elle n'était pas suffisamment dans nos programmes J'ai donc demandé à Louis, en vue de projections futures espérées, de recomposer le programme dans cette intention, en y intégrant également des amis du marquis tels Frédéric Mistral et Jeanne de Flandrézy. Ce diaporama étant donc en attente de rediffusion, le double DVD de la version définitive n'a pu être posté sur YouTube. Toutefois, pour vous permettre de le visionner à titre privé, je peux vous envoyer le lien voulu si vous m'adressez un message. À défaut de ce double DVD sur YouTube, vous y trouverez une séquence, Le Marquis et les Gitans, qui donne une idée assez juste de l'ensemble de notre travail. Par ailleurs, ce double DVD, une fois gravé, j'ai pu compléter, avec des images de Serge, les trois séquences sur la course Camarguez qui me l'avaient fait rencontrer. En attendant de terminer ce diaporama sur la course Camarguez, dont le choix des textes est déjà, vous l'avez vu, établi et enregistré, il me reste à l'épuiser dans le stock d'images et de musique également accumulé. Pour patienter, je vous renvoie aux trois séquences déjà annoncées bien présentes sur YouTube à l'adresse habituelle. Ce ne sont vraiment pas mais cette année d'études du grec ancien, mon année d'études du grec moderne et mes quelques 200 heures d'enseignement du grec ancien qui m'ont mis sur la voie de mon avant-dernier diaporama. Exemple parmi tant d'autres de la richesse, de la civilisation grecque. Comme je le raconte plus en détail, dans le prologue de ce diaporama, il n'en fut pas de même de mes quelques voyages en Grèce même, en Crète, en Grèce d'Asie, et en Grande-Grèce, la Sicile et l'Italie du Sud. C'est en effet, lors d'un de ces voyages, que j'ai découvert cette carte postale humoristique pour présenter Apollon, dieu grec et romain, des arts, et de la musique en particulier. Je le connaissais plutôt tel qu'on le voit, merveilleusement peint sur des céramiques, comme celles que nous avons vues à propos du fabuleux voyage d'Ulysse. Et j'allais, l'année suivante, compléter ma collection de cartes postales au cours d'un autre voyage en Grèce. Ces cartes postales ont d'autant plus d'intérêt aujourd'hui que leur éditeur athénien, Soteri Toubi, n'existe plus. J'étais redevenu reporter photographe pour ce nouveau voyage, réalisé en compagnie de 15 hélénistes et de mon ami et collègue Monique Cordero. Vous les voyez ici, au-dessus du fameux canal de Corinthe. Ce fabuleux voyage en Grèce avait été lancé par le diaporama de Monique évoqué plus haut, et il avait débouché sur un nouveau projet d'action éducative. Dans le cadre de ce PAE, chacun des participants, vous les voyez ici au pied du théâtre d'Épidore, avait choisi un thème à traiter. Et la dotation financière liée à ce PAE. Nous permis d'acheter quantité de documents qui allaient nous servir pour illustrer les 140 panneaux d'exposition regroupant tous les thèmes choisis. Ce fut à nouveau, comme pour les métiers deux ans avant, une monumentale exposition de deux mois à la bibliothèque municipale de Nevers. Des panneaux que j'avais moi-même réalisés, je tirais à cent exemplaires un livret photocopié en noir et blanc, livret contenant entre autres des cartes postales humoristiques et des écrits à la manière du canard enchaîné, notamment pour des calembours sur les titres. Ces titres accompagnaient des textes manuscrits, mi-sérieux, mi-fantaisistes, en relation avec l'histoire grecque. D'autres, au carrefour de l'histoire de la mythologie, présentaient les légendes homériques tissées autour de la belle Hélène, à cause de laquelle le roi grec Agamemnon entreprit la fameuse guerre de Troie. Les trois femmes clés de cette guerre sont passées à la postérité, parfois comme des symboles ou des archétypes féminins. La mythologie grecque proprement dite, sur laquelle s'est modelée la romaine, avait retenu aussi toute mon attention. Et le personnage d'Héra, Junon pour les Romains, le méritait bien. Sœur et épouse, oui, de Zeus, alias Jupiter, elle ne rata pas une occasion. De lui reprocher ses infidélités. Héraclès, qui signifie en grec la gloire des rats, est celui des fils adultérins de Zeus le plus célèbre, à cause de ses fameuses douze épreuves, mieux connues sous le nom de Travaux d'Hercule. Quinze jours après le visionnage d'un diaporama abouti que je vous ai présenté plus haut, Napoléon, Mythes et réalités, j'aurais préféré le programmer un 2 décembre, mais bon, je présente à mon public des lectures du lundi, une ébauche de mon avant-dernier diaporama si la grève m'était comptée avec le sourire. Avec des images et des textes dont je vous ai donné quelques échantillons, j'avais la trame de ce nouveau diaporama auquel j'allais ajouter deux nouveautés. Premièrement, j'emprunte sur la toile des cartes couleurs pour rendre plus explicites mes textes et mes petites cartes en noir et blanc. Deuxièmement, je tape sur mon ordi les titres et les textes qui pouvaient l'être facilement. J'avais enfin rajouté pour les internautes non seulement un index alphabétique des principaux noms et adjectifs cités dans le diaporama, mais encore ce tableau simplifié de la mythologie grecque. Et ces deux documents se trouvent désormais intégrés au programme conçu en vue d'une éventuelle diffusion. Un des morceaux de musique utilisés ayant bloqué dans un premier temps la mise sur YouTube, je refais à part, en guise de bande-annonce, la séquence sur Hera et Héraclès, désormais bien intégrée à la liste des autres diaporamas postés sur YouTube. Mais, aux dernières nouvelles, le diaporama intégral figure lui aussi dans cette liste dont je vous redonne le lien. Il me reste à vous présenter mon dernier diaporama, les châtiments de Victor Hugo, rapidement évoqué à trois ou quatre reprises, et dont celui-ci ne devait être qu'une annexe. Il est le premier et le dernier de mes douze principaux diaporamas géants et il est déjà posté sur YouTube, disponible avec le lien habituel. Ce recueil poétique, le plus souvent satirique, a donc été écrit par Victor Hugo, dans l'île anglo-normande de Jersey, où il s'était exilé, après le coup d'État de Louis Bonaparte, qui allait établir le Second Empire. Voici un aperçu de ce dernier diaporama, en tête duquel j'ai toujours rendu hommage à mon maître Pierre Albouy, qui, à la fac de Montpellier, me fit découvrir et aimer ce chef-d'œuvre hugolien. Et mes lacunes en langue et en littérature française, m'ayant valu de redoubler pour obtenir précisément le certificat de littérature française, me permirent de suivre une année de plus les cours de ce brillant professeur et d'approfondir ma connaissance des châtiments. Ce diaporama de 2020 est l'aboutissement de trois autres versions. Étalée sur un demi-siècle. La première date de 1971, à mon arrivée à Gap. J'en ai gardé les voix d'élèves, de première et de seconde, récitant avec moi les sept poèmes de l'expiation, le cœur et la clé des châtiments. Car, le véritable châtiment infligé à Napoléon Ier, qui, par son coup d'état du 18 Brumaire, avait renversé le directoire et détourné à son profit la Révolution, c'est d'avoir fait le lit de son neveu Napoléon III. Pour récupérer ces voix de 1971, il faut que j'attire votre attention sur un dernier appareil qui devrait intéresser tous ceux qui veulent faire revivre des bandes de sons magnétiques ou des diaporamas du siècle dernier, comme le scanner présenté au tout début. Et comme ce scanner, il m'avait été offert par mon gendre Xavier Métay. C'est avec cet appareil que j'ai tiré d'une mini cassette les bruitages proposés plus haut. Et c'est avec cet appareil que, ne trouvant pas sur YouTube l'équivalent exact d'un morceau de musique utilisé en 1971, je l'ai scanné à partir d'un disque ramené en 1963 des États-Unis, le Sabre Dance, interprété par Eddie Manson. Ce précieux appareil dispose en plus sur le devant d'une entrée auxiliaire qui vous permet de leur accorder à la sortie auxiliaire de n'importe quel magnétophone. C'est ainsi que j'avais récupéré les musiques de carnaval et que je l'ai encore fait pour récupérer ces voix de 1971. Les six mille vers des châtiments sont répartis en sept livres et Hugo a intitulé chacun de ces livres en reprenant ironiquement un des slogans par lesquels Napoléon III justifiait le Second Empire. Ces titres avait été dessiné par Anne Barniodi, l'élève de seconde, qui avait dirigé le diaporama sur Hugo. Pour les autres illustrations de cette première version, j'avais pioché à droite et à gauche, notamment dans l'excellente édition des châtiments publiée par le club du livre progressiste. Vous voyez, dans ce deuxième exemple, l'appellation satirique dont Hugo affublait le neveu par rapport à son oncle. Le résultat le plus appréciable de cette première version, c'est que Madame Ribon, la directrice de mon lycée, me fournit une attestation qui me permit d'entrer à Paris en 1974, je vous l'ai dit plus haut, au fameux cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, d'où proviennent notamment la majeure partie des illustrations de nos manuels d'histoire. J'y ai reproduit quantité de gravures originales d'Honoré Daumier, fustigeant, lui aussi, le Second Empire. Et comme les droits de reproduction étaient d'un coût infime, trois centimes d'euros par cliché, je profite de l'occasion, d'une part, pour reproduire certains désastres de la guerre de Goya, vous en avez vu dans le spectacle sur Montserrat, d'autre part, pour faire une série de clichés en noir et blanc, avec les tirages desquels, mis sur canson rouge, naîtrait une expo sur Daumier, présentée deux ou trois fois. Au cœur de ce trio, rat à poil, marionnettes filiformes dont Daumier s'est souvent servi pour ridiculiser Napoléon III. Avec ce type d'illustration complémentaire, j'avais ma deuxième version que je présentais à Nevers en l'an mille et que mon ami Monique Cordero diffusa également à plusieurs reprises. Treize ans plus tard, dans le cadre de mes lectures du lundi, je propose une troisième version à mon public. Je garde toutes les illustrations, je supprime la musique, J'ajoute d'autres poèmes que j'avais écartés avec regret dans les deux versions précédentes. Ils sont surlignés en rouge. Et enfin, j'enregistre moi-même tous ces textes et le commentaire initial. L'enregistrement intégral de la bande de son de cette troisième version, avec entre parenthèses les numéros des fichiers audio correspondants, est présent sur le site qui accueille mes lectures. Au-delà, des quelques 2800 internautes qui ont déjà téléchargé ces fichiers, je vous livre ce commentaire de l'un d'entre eux, ou elle. Texte magnifique. Si bien que je finis de vous donner la liste des textes de cette troisième version. Pour la dernière version, celle de 2020, j'ai gardé uniquement mon choix de texte de 1971 et les voix enregistrées alors pour l'expiation. Sinon, j'ai repris mes enregistrements de 2013. J'ai également gardé toutes les illustrations déjà trouvées. Mais, grâce au stock d'images disponibles sur la toile, j'en ai rajouté quantité avec le commentaire correspondant. Pendant que je mettais au point ce diaporama, sur mes soixante ans de diaporamiste, Louis Salton a eu le temps de peaufiner la maquette du nouveau programme que je lui avais confié, synthèse de tout ce que je viens de vous détailler. Avec ce nouveau programme, ce dernier diaporama peut donc être présenté en public comme les autres, dont voici la liste. Et dans un rayon de 100 km autour de Nîmes, je peux venir bénévolement ouvrir la projection publique d'un ou plusieurs de ces diaporamas. À toutes fins utiles, je vous redonne mes coordonnées personnelles.